Maman, De peur que je puisse me faire tabasser à nouveau. J'avais quelque chose à dire, maman. Je te demanderai de causer avec Obina pour qu'il remette les 200 000 naira qu'il avait volés chez papa afin qu'on puisse acheter les articles de l'école. C'est ça mon idée, maman. Il a déjà tout fini. Jésus. Il a fait ses dépenses, je ne sais quoi qu'il a acheté. Donc il n'y a plus rien. Maman, je ne comprends pas, attends. 200 000 naira. Mais qu'a-t-il fait avec ça? Je n'en sais rien, ma chère. C'est comme je te l'ai dit. Hey. Je suis d'ailleurs confuse, je ne sais quoi dire encore à ton père. Hein? Quelle stratégie prendre pour convaincre un vieil homme? Hein? Hey. Ma petite maman, c'est un problème sérieux. Et tel que je connais papa, papa ne pourra pas digérer ça. Tu les connais aussi bien que moi, maman. Tel qu'il est là, papa ne donnera plus même un centime à Obina. Il ne le fera plus, tu le sais. Hein? Ça veut dire qu'Obina l'a vu en avance. C'est pourquoi il a sauté en premier. Il aurait dû être un peu plus sage. Puisqu'il pouvait acheter ses articles avec cette même somme d'argent. Au lieu de les dépenser dans des choses qui n'aboutissent à rien. Obina est fou. Il n'aurait pas dû faire ça. Il est un vrai fou. Hey. C'est vraiment pitoyable. Marie-Fait. Je ne sais pas. Je ne les comprends pas. En fait, j'en ai marre de tout. J'en ai marre. Comme il ne veut pas de l'école, qu'il reste à la maison. Cela veut dire que si on avait agi vite, on allait récupérer ne serait-ce qu'un peu d'argent. C'est là même qu'il y a le problème. Oncle, mon patron m'a dit de ne plus mettre mes pieds dans son atelier sans son argent complet. Son argent est combien? Tu veux dire 40 000 sur 150 000, c'est ça? Oui, oncle. Ma mère et moi avions débrouillé pour payer 80 000. Essayes-tu de me dire que ton père ne t'a pas aidé du tout? Oncle, à l'heure où je te parle, même pas un franc. Rien. À chaque fois que j'essaie de l'approcher pour de l'aide, mon père va m'humilier et me chasser de sa maison. C'est quoi ça? C'est ce genre de choses que je n'aime pas du tout. Dédé ne se comporte pas bien du tout. Je n'apprécie pas son comportement avec l'argent, et surtout quand il s'agit de toi. Oh. Onyewe. Oui, oncle. Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Je n'ai même pas un naira avec moi ici. Mais je verrai ce que je peux faire. Je n'ai rien du tout avec moi ici. Oncle, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais prier pour toi, afin que Dieu t'assiste. Amen. Oyem, sois calme. Dieu sera avec toi, hein? Amen. Si ton cœur te le permet, retourne à ton ancien travail et vois ce que ça va donner. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Hein? Calme-toi. Merci, okay? Oncle. Sois un homme. Sois un homme. D'accord, oncle. Merci, oncle. M'as-tu compris? Merci. Sois un homme. Godier, que veut dire cette facture est inutile que tu imposes sur moi? Hein? Je n'ai plus d'argent à dépenser sur Obina. Qu'il utilise l'argent qu'il m'a volé pour s'occuper de ses besoins scolaires. C'est aussi simple que ça. Non, Ebiko, non. Pardon, non. Hein? Je t'en prie. Mettons notre passé en arrière. Nous devons voir l'avenir en face. Essaie de comprendre ça, hein? S'il te plaît. Godia, donc tu me dis d'essayer d'oublier une somme si colossale de 200 000. Ah, Ugodie, pourquoi tu es une femme si mauvaise influençant négativement ce garçon? Pourquoi tu dis ça? Dans quoi je suis mauvaise? Hein, beaucoup de moi, qu'est-ce qui fait de moi mauvaise? Est-ce moi qui ai envoyé Obina pour aller voler tes 200 000 naira? Si tu ne l'avais pas envoyé, pourquoi me mets-tu maintenant la pression de lui trouver une autre somme d'argent? Est-ce que je prends de l'argent ou bien je le cueille de ce arbre? Tu appelles ça un trésor? Hein?
Tu as appelé ça un trésor. C'est ça. N'oublie pas que c'est de ton devoir de préparer l'avenir de tous tes enfants. Pourquoi ne lui as-tu pas donné de l'argent comme le font les autres femmes? Non, ce que j'essaie de dire est que si tu laisses Obina dans ces villages, ça ne sera que des troubles sur troubles. Finis avec les problèmes des études d'Obina, une fois pour toutes. Si tu le laisses ainsi, un jour il commettra une atrocité. Ababaki, tout ça sera sur ta tête. Hey. Je sais pourquoi je le dis. Hey. Tu n'as pas encore vu les trésors. Fais ça et tu verras les trésors te suivre toute ta vie. Tu sais quoi? Magui les Zulogogu, c'est un crime. Il est ton fils. Hey. De sa ménagère, qu'est-ce que ça fait après tout? Es-tu le premier à être volé? Tu n'as pas honte. Cherche où tu trouveras de l'argent pour finir avec son problème. Il doit retourner à l'école. Tu es malade. Tu me qualifies de folle. Tu es une femme très malade. Tu as de l'argument. Ok, y a pas de problème. Ma folie, tu le verras. Si je suis folle, tu es le premier à le vivre. C'est ta responsabilité. Et pourquoi toi, tu ne lui as pas pourvu de l'argent en tant que ton fils, comme le font les autres femmes? Où est-ce que j'aurai cet argent? M'as-tu lancé dans une business? Je te pose la question, réponds-moi. Tu veux que j'aille creuser de l'argent dans la tombe de mon père ou quoi? J'ai dit, dis-moi, où est-ce que j'aurai cette somme d'argent? À cause de ta jalousie, tu ne m'as permis de ne rien faire. Hein? Tu m'as refusé de faire quoi que ce soit. Tu as toujours voulu que je reste à la maison manger pour éviter que d'autres hommes ne puissent me voir. Oh quoi, Nyagi? Akumoi, Agumoi, t'es dit? Arrête de me faire mal à la tête. Tu n'as qu'à prendre ta responsabilité en main. Pourquoi tu es aussi stressé quand on t'en parle? Ifrodi, vois comment il me regarde avec ses lunettes d'aveugle. Ok, je vais aller trouver de l'argent dans le cimetière de mon père. Tu n'as qu'à te donner la mort. Si tu es incapable de faire quoi que ce soit, c'est toi leur père et tu es obligé de le faire. Que tu le veilles ou pas. Oya Koman. Na yeku eme. Do. Nous sommes là pour venir demander ton aide. On n'a pas encore fini avec ce frère. Nous devons payer pour lui pour qu'il termine aussi ses études en paix. S'il te plaît. Okuchi. Monsieur. Okuchi. Sais-tu que tu n'as pas honte? Le sais-tu? Qu'est-ce qui me concerne avec l'apprentissage de Nyawa ou bien son argent d'apprentissage? Les gens vont pour apprendre quelque chose pour moi. Hein? Je l'ai envoyé. Tu vois, à cet âge, tu devrais être en mesure de pouvoir pour ton fils. Tes semblables le font. Des femmes comme toi le font. Arrêtez de me déranger. Papa, j'ai besoin juste 40 000 naira pour payer mon patron. Afin que je puisse recevoir plus de connaissances de lui. Vraiment? Tu dis? Juste 40 000 naira. Juste 14 000, non? Tu veux dire juste 40 000 naira pour payer ton patron afin d'avoir la connaissance nécessaire. Oh, je pensais que c'était quelque chose de grand. Je ne savais pas que c'est juste 40 000 naira. Ça, c'est bien. Mets la main dans ta poche. Sors juste 40 000 naira et va payer ton patron. Ou bien fais un tour de la maison. Monte n'importe quel oranger et cueille juste 40 000 naira et va payer. C'est très simple. Papa, si j'étais offensé d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Malheureusement, tout mon cœur est occupé. Il n'y a plus d'espace où je peux pardonner. Papa, s'il te plaît, arrête ça. Je t'en prie. Écoute, mes papas. Assez, oui. Je t'en prie. Ne regarde pas la colère que tu as contre moi. Lui, c'est notre fils. C'est un innocent. Nous parlons juste de 40 000. Je travaille, parce que j'ai déjà payé 80 000. Et il reste juste 40 000. S'il te plaît, aide-nous à les payer, Que veux-tu que je fasse encore? J'ai déjà fait de mon mieux. Si on ne paye pas le peu qu'il reste, ce qu'on a déjà payé va aller en vain. Okuchi, tu me mets plus en colère. Juste 40 000 naira. Tu as payé juste 80 000 naira. Oh, ça c'est bien.
Tu peux aussi juste payer juste 40 minéra comme tu as payé juste 80 minéra. C'est simple. Viens, Okuchi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi fumer ma pipe en paix. Tu déranges ma fumée. Laisse-moi fumer ma pipe en paix. Si ce n'est pas parce que j'ai reçu des blessures. Des gars qui m'ont attaqué. J'aurais retourné à mon petit boulot. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de te déranger. Et alors, en quoi ça me concerne? Étais-je parmi ceux qui t'ont attaqué? Ou bien je les ai envoyés pour t'attaquer? Viens. Onyen, quoi que tu te fais appeler, je n'ai pas d'argent à te donner. Es-tu sourd? Je n'ai pas d'argent. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Je vais m'agenouiller pour toi. S'il te plaît, papa. Je vais m'agenouiller pour toi. Onyen, ouais. Allô, maman, de quoi parles-tu? Ce que j'allais dire est que ne te tourmente pas beaucoup. Peu importe ce qui t'arrive, ne te dérange pas. Remets tout entre les mains du Seigneur. Considère-toi comme un orphelin de père. Tu n'as pas de père. Donc, dans cette situation, papa ne peut même pas m'apporter une petite aide. Ça ne fait rien, mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait depuis que tu étais né? Il n'a jamais contribué même à un rond depuis que tu es au monde. Alors, considérons comme s'il n'est pas là. Maman, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. C'est quoi encore, mon fils? Papa ne peut pas me traiter de cette manière et tu me diras que tout va bien. Ah, je ne sais pas quoi te dire si tu me poses cette question. Mais s'il y a quelque chose que tu ressens dans ton intérieur, vas-y, dis-le-moi. Dis-moi. Maman, puis-je te poser cette question? Vas-y. Es-tu vraiment sûr que Tifu et Koemé est mon père? Garde tes excuses pour toi, je ne vais pas les connaître. Donne-moi mon argent pour retourner à l'école. Achète-moi tout ce dont j'ai besoin et la paix va régner. C'est très simple. Sache que si tu oses ne pas le faire, le sang va couler dans cette maison. Obina, la tête qui tombera dans cette famille et le sang qui y coulera doivent être tiens. Papa, sois raisonnable. Sois raisonnable. Dépose ces trucs-là. Je te tuerai. Il n'y a même pas de dedans. Arrête ces conneries que tu essaies de nous faire voir. Pour qui tu prends juste dans cette maison? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Maman, arrête de le supplier. Obina. Tu le supplies alors qu'il n'y a même pas de balle. Tire, tire, vas-y, tire. Dépose cette baguette magique-là. Maman, arrête de le supplier. Arrête de le supplier, oh, il n'y a même pas de balle dans cette arme. Qui l'ose tirer, non? Tire sur moi. Quitte là-bas. Je dis, quitte là-bas. Maman, je t'ai dit d'arrêter de le supplier. Il n'y a pas de balle dans cette arme. Mes ennemis riront de moi. Regardez mon père. D'autres papas achètent des voitures pour leurs enfants. Quitte là-bas. Ils satisfont leurs enfants, mais le mien est là, mais courir après avec une arme. Obina, empêche-le, oh. Empêche-le bien, maman. Empêche-le, maman. Obina, rentre dans la maison. Obina, disparaît. Empêche-le, oh. Obina, rentre. Ogoria, lâche-moi. Il n'y a même pas de balle. Tu crois que ce que tu es en train de faire là me fait peur, hein? Non. Reviens, c'est pas là, reviens. Donne-moi l'argent pour retourner à l'école. C'est tout. Dégagez. C'est tout, c'est tout. Non, je peux sortir ici. Allez, ferme. Ouvrez cette porte. Ouvrez vite cette porte. Ogoria. Ouvrez cette porte! Ah! Je vais commettre le meurtre! Ogodia! Onigbe, tu dois me tuer et m'enterrer en premier avant que je ne te permette d'aller faire entrer ta tête dans cette affaire. Maman, laisse-moi. Ah, laisse-moi aller lui donner une leçon. Doit-il insulter notre père à tout moment? Doit-il faire cela? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Quelquefois, quand tu réfléchis comme un toqué. Comme un insensé. Un insensé. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Ça va pas avec toi. N'est-ce pas que c'est Koemé qui avait refusé de t'aider? Et je vais aller sacrifier ta vie maintenant.
On lui a demandé juste un peu d'argent pour qu'on te paye le frais. Et il nous a dit qu'aller monter sur les arbres, prenez les oranges, aller vendre pour qu'il se paye le frais. Et toi, tu veux sacrifier ta vie. Maman, qu'il a refusé ne veut pas dire qu'il n'est plus mon père. Oui, tout le monde dans cette famille doit le respecter. Il reste notre père. Laisse-moi, maman, laisse-moi. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Arrête des bêtises. Je ne te permettrai pas d'aller mettre ta vie en danger là-bas. Laisse Ekouéme et sa femme et ses enfants bien-aimés. Toi, reste tranquille. Je veux que tu ailles là-bas pour qu'ils puissent te tuer et que pour moi, je te manque. Oh. Ne te dérange pas. Maman, maman, laisse-moi, non. Arrête ça, mon fils. Hein? Arrêtons cette discussion. Quand les gens vont nous entendre, ils vont se dire que nous sommes en train de nous tirailler. Hein? C'est pas bien, mon fils. Baisse un peu ta voix. Écoute ce que je te dis. Entre dans la maison, hein. Écoute-moi bien. S'il te plaît, d'accord. Mon fils. Hein? Bon courage, oh. Vous savez, nous sommes des lumières de notre famille. Nous devons apporter Christ, l'amour de Dieu. Nous devons le témoigner, peu importe les situations. Peu importe la conjoncture. Hein, Ebere. Ebere, Wanduken, pourquoi ton père peut amener une divinité dans sa parcelle, dans cet âge moderne? Azuka, ma belle. J'étais tout aussi surprise. J'ai failli courir quand j'avais vu cette chose. Eh, Jésus! Papa ne s'est jamais comporté comme ça, jusqu'au point de venir avec des histoires bizarres à la maison. Il ne l'a jamais fait. Dis-nous comment ça s'est passé alors là-bas. Écoute, oh, tout ça c'est à cause de ton frère là-haut. Tout ça c'est à cause de lui. Hein? Il faut au moins. C'est ça quand même que je pense. Honnêtement, si réellement ton frère n'avait pas volé l'argent de ton père, et que Onyeme était accusé faussement, ton père n'arriverait pas à cette histoire de divinité. Je suis fatiguée, Dobina. Hey. Je suis vraiment fatiguée. Mais Dieu merci. Parce que si seulement il avait juré, moi, en ce moment, on allait être endeuillé dans la famille. Comment il oserait jurer? Sachant qu'il est coupable. Hein? Il ne peut pas l'essayer. Pardon, pardon, pardon. Parlons de notre concours de la jeunesse. Dis-moi quoi, nous, c'est même l'événement que nous attendons. Je t'otille. Ça sera terrible. Vous savez, ces jours, je m'imagine, Dieu seul sait ce qui va se passer. Allez, apaise-toi, sois-en sûr. Tout faire pour gagner. Bien sûr que oui. Et juste après cela, on devra célébrer. Mes amis, nous devons nous préparer en conséquence. Oui. Nous devons remporter ce challenge. D'accord, on va. D'accord, Michel. Ça va, je vous assure. Obina, tu ne peux pas tout avoir par la violence. Hein? Ton père pouvait te tirer dessus avec ses termes comme de la blague. Tirer sur qui? Toi! Tirer sur moi! Par mes gardes! Moi! Oui! Tu penses vraiment que je suis Onyewe? Non! Tu penses vraiment que je suis comme Onyewe qui serait même capable d'aller jusqu'à m'utiliser comme un ballon de football? Hein? C'est ce que tu penses? Qu'il n'ose même pas dépasser les bornes parce que je ne lui permettrai pas. Et d'ailleurs, hein, il doit me payer pour m'avoir braqué une arme tout à l'heure. Obina, mais tu as... Payer une amende pour m'avoir pointé une arme. On va commencer par là. Et on verra vous et moi dans cette maison. Arrête de raconter des bêtises. N'importe quoi. Tu as de la chance puisque j'étais là en train de l'empêcher à faire le pire. Obina, tu dois apprendre à écouter. As-tu soldé ta conscience? Tu as causé tous ces problèmes. Tu es allé voler cette même somme d'argent que ton père a épargné pour te retourner à l'école. Qui est-ce que tu veux blâmer? Quand tu parles de voler là, ça sonne mal. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je suis en train de te dire. 200 minéraux, juste 200 minéraux et c'est pour ça que vous tous êtes en train de réclamer ça il y a depuis longtemps même. Ezoko. À tout moment, 200 minéraux, à tout moment, 200 minéraux. Et la fortune, tu n'ajoutes plus fortune. Oh. C'est maintenant 200 000 seulement. Obina, hein? C'est quoi 200 000? Tu n'as pas froid aux yeux, franchement. Hein? Tu deviens vraiment une honte. Tu n'as plus de conscience. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, tu m'as appelé ici pour parler avec moi. Mais là, je peux voir que la discussion ne va pas du tout sous la bonne direction. Va à l'intérieur et parle à ton mari parce que ce qu'il cherche à faire actuellement là, ça ne va pas l'aider. Oh. La seule chose qui puisse l'aider, c'est de me procurer tout ce dont j'ai besoin pour retourner. Et c'est tout. Me procurer tout ce que j'avais demandé et la paix va régner. Vous savez bien ce qu'il y a à faire, mais vous n'arrêtez pas de faire semblant. Hein? En tout cas, je ne sais quoi dire. Tais-toi, tais-toi, personne ne t'a demandé de parler. Il serait mieux que je me taise, parce que si je me mets à parler, vous n'allez pas accepter. Parle, parle.
Peut-être qu'il comprendra la vérité de ta maman bouche. Maman, que je parle. J'en ai marre de tout. Dis tout ce qui te vient en tête. Obi, sais-tu que tu es très stupide et arrogant en même temps? Hein? Tu es allé voler de l'argent à papa, or que cet argent t'était destiné. Hey! Tu vois maintenant? Tu reprends encore avec ça, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je suis d'accord avec elle. Elle a raison de dire tu as encore repris avec tes bêtises, c'est ça? Non, ne touche pas. Écoute, tu recommences avec tes conneries, c'est ça? Tu vas avoir honte. Non, je n'ose pas t'approcher d'elle. Sache que je suis solidement derrière ta sœur maintenant. Tu devrais avoir honte de lever ta main sur elle. Ça veut dire maman, je ne te comprends plus du tout. Hein? Je ne comprends plus. Je ne sais vraiment plus de quel côté tu es. Tu es de mon côté ou tu es de leur? Tu es où? Je ne suis plus de ton côté. Sache que j'ai mis fin à ces jeux. Reste de ton côté puisque tu ne veux plus m'écouter. Oh, le jeu est fini maintenant. Maman, tu viens de déclencher une guerre. Pas de problème. Ok, pas de problème. Si tu veux faire face à moi, ok, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Comme tu te crois être fort, utilise ta force pour avoir ton argent chez ton père. Sache que je ne suis plus derrière toi. Je ne compte plus pour toi dans cette maison. Cet enfant me fait arriver au bout dans cette maison. Oh mon Dieu, ma chère, tu dois les gérer dans cette affaire. N'essaye pas de t'élever en opposition contre ton frère dans la présence de ton père. Biko. Oh, mon Dieu, je ne te comprends pas, maman. Tu dois me comprendre. Je ne te comprends pas. Hein? Je ne veux pas que mes ennemis se moquent de moi. Biko, maman, je suis votre parapluie. C'est de mon devoir de vous protéger. Je sais. Hein? Je le sais bien, maman. Tu n'as pas à Caligo. Manazizi Gwegufu, toi aussi avec ta bouche là, tu ne le contrôles pas. Hein? Un jour, Obina te tuera. Oh. Peut-être que ce jour-là, je ne serai pas là. Maman, ouvre tes yeux. Oh. Obina se comporte très mal et tu le sais. Tu me tabasses tout le temps quand je dis la vérité. Mais tu n'as pas tort, Nogi. Apprends à contrôler ta bouche. Obina a totalement changé. Oh. Il est devenu bizarre. Il peut te faire de mal un jour. Il va te tuer et ça sera à ta perte. Maman, c'est pour cette raison que je refusais de parler, mais tu m'as forcé. Mon mari, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'argent et envoyer notre enfant à l'université, s'il te plaît. Okuchi, quel est ton problème? Hein? Non, je suis surpris, je ne comprends pas cette attitude de la bonne samaritaine que tu es en train d'afficher. D'où sort-elle? Hein? Ton fils était venu chez moi pour une aide que je n'ai pas pu lui offrir. Pourquoi es-tu maintenant en train de plaider que je donne de l'argent à Obina? C'est quoi? Quel est ton problème? Hein? Biko, ce n'est pas un problème. Ça importe beaucoup. Que tu lui donnes ou pas, ce n'est pas un problème. Je veux juste que la paix règne. Je sais que moi et Onyewe n'ont jamais reçu une assistance provenant de toi. Mais s'il te plaît, tu peux toujours le faire. Nous sommes là pour voir ta réaction. Ce n'est pas aussi un problème si tu me donnes ou pas. Nous ne sommes même pas là-bas. Mais pour Ogo, Okuchi, mets-toi à l'écart de toutes choses et tout ce qui concerne Ogo et ses enfants. Je peux gérer ça. Je n'ai pas besoin de ton conseil. D'accord, j'ai compris. Je ne fais pas allusion à eux. J'ai juste besoin de la paix. Je ne me plains de rien. Je suis désolée. Okuchi, fais face à tes problèmes. Fais face à tes problèmes. Qui demande même ton conseil? Qu'est-ce qui te concerne dans cette affaire? Ne te mêle pas dans ce qui ne te concerne pas. Prétentieuse. C'est ce qu'elle est. L'ai-je envoyée parler au nom de mon fils Obina? Hein? C'est quoi ce qu'elle fait? Que Okuchi nous laisse tranquille, non? Hein? Qu'elle nous fout la paix. Ce que j'ai découvert ici est que Okuchi est en train d'enquêter pour voir si j'ai vraiment décidé de ne pas donner à Obina l'argent afin que je puisse détourner l'argent à son fils. Oh, oh! N'est-ce pas ça les caractéristiques d'une sorcière? Onobria, Okuchi n'est qu'une sorcière. Qu'est-ce que tu attends pour le comprendre? Hein? S'il te plaît, avertis là-haut. Dis-la de rester loin de moi. Biko, qu'elle ne dépasse pas mes frontières. Sinon, tout retombera sur toi, je t'assure. Puisque ce que je lui ferai, elle regrettera toute sa vie.
Après tout, tu dois rester dans ce qu'elle t'a dit. Donc, tu dois retourner au Bina à l'école. Cherche où trouver de l'argent. Biko, enfin que la paix règne encore dans cette maison. Je ne vais rassembler l'argent nulle part pour Obina. Ouais, aussi longtemps qu'Obina a le courage de voler mon argent et le tenir jusqu'aujourd'hui, qu'il aille s'occuper de lui-même avec cet argent, ou même mieux, tu peux lui en pourvoir. Je crois que tu es en train de blaguer. C'est ce que tu penses? Arrête tout ce que tu racontes là, parce que D'accord. Je sais que ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire. On verra. Hein? Ouais. Ok, laisse-moi te dire maintenant. Tu vois tel que je suis là, sois juste prêt à affronter Obina, puisque je ne vais plus m'interférer dans quoi que ce soit qu'il fera comme action dans cette affaire. Ce qui veut dire que c'est toi qui l'encourage. Laisse-moi te dire, vous ne pouvez rien me faire dans cette maison. Tes enfants et toi ne pouvez rien me faire dans cette maison. Si vous voulez aller n'importe où, c'est ma maison ici, c'est mon argent. Je décide de comment utiliser mon argent et sur qui le dépenser. Ouais, vous ne pouvez pas me contrôler dans ma maison. Ogodia, que fais-tu ici? Tu veux dire que tu es venu ici avec tout ce courage devant ma propriété pour m'avertir? Tu n'as même pas honte de me dire ça dans ma maison? Aïe, ja. En tout cas, tu dois bien revoir ta tête. Okuchi, je t'avertis pour la dernière fois. Reste loin de moi. En fait, reste loin de nous. Est-ce une malédiction si tu restais de ton côté? Quoi? Reste dans ton coin. Laisse-nous tranquilles. C'est quoi ton problème? Qui sont les nous? Mon amour, mon. Hein? Oui. Sais-tu que tu es éhonté et stupide? Avec tout le courage que tu as, tu as quitté ta maison jusqu'à venir ici pour me parler de stupidité? Okuchi, je n'ignore pas que tu es une sorcière, mais je vais écraser ta sorcellerie. Mais Mekine, je vais en finir avec toi, mèrement. Écoute, mais viens prendre ta sale, précieuse femme ici avant que je la puisse la dépecer. Elle a vraiment eu le courage. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman Obina, qu'est-ce que c'est? Elle est venue me gueuler. A-t-elle raison de le faire? Hein? C'est quoi ça? Écoute. Avertis ta mère. Avertis ton inutile de mère. Allez, t'es sale de la sous-moi avant que je ne puisse les couper. Ok. Je t'ai attendu. Je vais l'avertir. Mais ce n'est pas juste pour que tu viennes te bagarrer avec elle ici, non? Tu veux savoir ce que je fais dans la parcelle de Qu'est-ce mon mari? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ça, c'est dans la parcelle pas ta maison de ici. Mon mari. Tu es venu faire ici devant chez moi. Donc, tu dois avoir la permission pour venir Bien ici. Sûr, je suis la première femme. Tu dois me demander la permission. Regardez-moi c'est parce que tu n'as pas de respect que tu t'es permise de venir me parler devant chez moi ici. Détrompe-toi, j'ai mon propre certificat. C'est parce que j'ai tu n'es pas sûre de une cela. Fille, j'ai mon certificat. Hé, quitte-la. Voilà pourquoi tu cries inutilement. C'est parce que tu n'es pas sûre que tu es dans cette famille. Maman, ça va. Tout le monde a tout. Maman, ça va. Écoute-moi. C'est quoi ça? Tout le monde, elle a tout. Elle a tout. Okuchi, je vois que tu n'es qu'un tonneau vide. Écoute-moi. Je te dis d'aller les faire chez ton mari là-bas. Je te laisse faire aujourd'hui, tu as maman, de la ça chance. Va, non. Demain, ce sera un autre jour. C'est vrai. Rien. Regarde-moi celle-là. Ça va, maman. Écoute, tu te trompes. Tu fais une erreur grave de ta vie. Parce que je vais te morceler. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe maman, quoi. Maman, ça va. Ça va. Toi maman, aussi. Ça va, non? Laisse-moi tranquille. Ça va, je t'ai entendu. Regardez cette femme, pour qui elle s'est Maman, essaie de m'écouter. Je dis ça va, maman. Je n'ai pas confiance en elle, mais voilà pourquoi elle se comporte comme une pas de problème. Pas de problème. S'il te plaît, va voir ce que j'avais déposé là-bas sur le feu. Ok, ça va, ça va. Ça veut dire quoi, ça? Je n'ai pas la paix dans ma propre maison. Tu as déjà pris le mari. Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi je ne peux pas avoir la paix? Hein? Non, je ne le permettrai pas. Maman, tu étais celui qui m'a arrêté l'autre fois de me battre avec Obina quand il insultait notre père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne voulais pas ces désordres. J'avais juste intervenu parce que ça serait une abomination. Une première femme comme moi rester assise ici et voir quelqu'un venir commencer à m'insulter, ce n'est pas normal. Si je vois quelque chose de mal, je dois parler. Maman, tu ne peux pas faire le contraire du conseil que tu donnes à quelqu'un devant lui. Tu n'es pas censé t'impliquer dans leurs affaires. C'est comme tu essaies d'enlever du caillou. Je veux dire un grain de sable dans les yeux de quelqu'un. Quand tu en as assez dans tes yeux. Je suis désolée, je ne le ferai plus. S'il te plaît, pardonne-moi.
Je ne veux pas que quelqu'un t'insulte. Je ne veux pas que ton outrance attire cette méchante femme pour t'insulter. Je n'accepterai pas ça. Tu es tout ce que j'ai. D'accord? Je ne le ferai plus. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi, mon fils. Ça va. Hey, Isibo. Désolée, maman. Isibo. Désolée. Maman, hey, mais hey. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah. Non, 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 désolée, arrête de me toucher, j'ai très désolée. Mal au bras. Mais, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Désolée, maman. On y aimé ma battue. Maman? On y aimé ma frappé. On y est? Alors allez, que j'ai frappé à la maman, porte de la toilette, on y aimé sorti. Et a commencé à me battre, à me frapper. Non, 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 attends, attends, attends. Tu es en train de me raconter une blague? Tu es en train de blaguer, c'est ça? Attends, maintenant que tu parles là, ma tête est en train de faire boum, boum. Hey, quelqu'un va mourir, hein? Quelqu'un va mourir aujourd'hui. Maman, maman, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Attends, maman. Reste d'abord calme. De toute façon, il m'a fait des coups à la tête. J'ai tellement mal. Désolée, tu calmes. Je croyais qu'Oni et oui avait un bon cœur. Mais comment a-t-il osé lever sa main sur ma mère? Comment a-t-il osé? Hey, tu peux le voir. J'arrive, maman. Il n'est pas un bon garçon. N'importe quoi, est-il malade? Hein? Où est-ce qu'il est? On y est, ouais? On y est, ouais? Pas grave, je sais ce qu'il faut faire. On y est, ouais? On y est, ouais? On y est, ouais? On y est, ouais? Si seulement j'ose te voir proche de ma mère, tu verras de quel bois je me chauffe. Si seulement je te vois... Tu sauras pourquoi on m'appelle Ezibo Tonio Oboda Akuku Azuliezu. T'es un garçon stupide. Grand frère Onyewe, Onyewe, viens tout de suite. Comment ça va, ma soeur? Heureusement que tu es là. Frère Onyewe, comment peux-tu être si stupide et insensé? Je te croyais responsable. Je ne savais pas que tu n'étais qu'un misérable. Comment as-tu osé lever ta main sur ma mère, né? Moi, Onyewe. Levez ma main sur votre main. Uh-huh. Maman. Maman. Oh. Viens, viens, viens. Maman, viens. Maman. Dieu. Toi aussi. Viens, viens. Qu'est-ce qui va pas? Viens. Écoute-la. Ego, pourquoi ton visage est comme tel? Maman, comment est-ce que Onyewe, mon frère, comment as-tu osé tabasser ma mère? Onyewe a tapé ta mère? Quelle mère? J'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Et elle ressent des douleurs partout. Je lui ai posé la question. Et elle m'a dit que c'est Onyewe qui l'a tabassé. En plus, il l'avait poussé contre un mur. Je suis rentré et j'ai vu ta mère en train de bagarrer avec ma mère. Et je lui ai seulement dit de partir. Et je n'ai même pas soulevé un petit doigt de ma main sur ta mère. Jusqu'à ce qu'on dira que je l'ai touché. Dieu est mon témoin. En tout cas, il n'y a eu rien. Il n'y a même pas eu des accrochages. Donc, il n'y avait pas de bagarre entre nous. Attends. Tu essaies de dire que tu n'as pas touché à ma mère? Donc, tu ne me crois pas. À qui maintenant je vais croire? Elle a menti. Et tu es même dans cette parcelle? Votre mère doit être une vraie comédienne. Désolée, mon frère. Désolée. Maman! Maman! Ma mère m'a raconté une autre histoire et toi, tu me donnes une autre version. À qui est-ce que je vais croire? Maman? Maman? En ce qui me concerne, je ne vois rien
de mal que Okushi te fasse une demande de la part de Obina. Ah, s'il te plaît, Ijafon, Biko. Biko, oublie la prétention d'Okuchi. Oublie sa prétention. Comment est-ce qu'elle peut solliciter pour Obina au lieu de son propre fils? Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a aucun être humain qui pense bien. Ignorerait l'enfer déchirné pour aller à la poursuite d'un rongeur quand sa maison est en flammes. Mais Dé, Okuchi est une bonne femme. Elle a plaidé pour la cause d'Obina. Tu ne trouves pas que c'est génial? Qu'est-ce qui te prend? Ijafon, s'il te plaît. Parlons de quelque chose de plus important. Je n'aime pas ceci. D'accord? D'accord. Parlons de quelque chose de plus important. Le quelque chose d'important dont nous devons parler maintenant est qu'est-ce que tu comptes faire pour la formation des Onyewe? Ne vas-tu rien faire là-dessus? Non, réponds-moi. Ne vas-tu rien faire? Jirofo, tu es en train de me compliquer la situation. Tu es en train de me compliquer la situation, Jirofo, et ça ne me plaît pas. Comment? Comment? Toi, moi, savant que j'essayais de rassembler de l'argent pour le retour d'Obina à l'école. Mais je n'ai pas pu rassembler cet argent. Et tu me parles encore de l'argent pour l'apprentissage de Onyewe. Que vous dites, c'est sa bêtise? Jirofo, je ne suis pas prêt pour des discussions futiles ces temps-ci. Si tu n'as rien de plus important à me dire, quittons ici. Je n'ai pas d'argent à donner à qui que ce soit. Hé, hey, Obina! 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 Obina, attends! Obina! Obina! Mais Obina! Obina! Hey. Obina! Obina! Hey. Obina! Viens! Obina! Hey. Attends! Obina! Hey. Obina! Hey. Obina! Hey. Obina! Hey. Obina! Dé, hey. Hey, attends! Ugo, Dieu! Ugo! Ugo, Dieu! Ugo, Dieu! Ah, ah. Où est ta mère? Elle est derrière la maison. Où est-ce que Bina lève ma voiture? Papa, on était tous derrière en train de causer. En même temps, j'avais entendu vous. Je croyais que c'était toi. Mais à mon arrivée, j'ai vu que c'était Obina qui sortait avec la voiture. Hey! Y a-t-il un problème? Ceci est dangereux. Obina doit mourir. Je dois le tuer. Je vais tuer Obina. Papa, tu as croisé Obina en cours de route. Pourquoi tu ne lui as pas demandé là où il s'est rendu? À la place de me questionner. Je ne sais rien. Ah! Papa, tu me fais mal. Qu'est-ce que je fais? Hein? Tu aurais dû demander à Obina. Calme-toi, mon mari, hein, Biko. Hein? Goli, arrête de me dire de me calmer. Arrête ça. Hein? Il a quitté cette maison depuis le matin avec ma voiture. Il n'est pas encore revenu. Et tu me demandes de me calmer. Je l'attends ici aujourd'hui. N'oublie pas qu'il est ton fils. Oh. Non, qu'il revienne. Sans la voiture. Mon amour. Oh, bébé. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que je dois faire pour toi qui t'empêche encore d'aller à l'école? Rien, bébé. Rien du tout. En tout cas, je dois avouer que tu es la meilleure chose que j'ai reçue dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est la pure vérité. Merci beaucoup, chérie. Merci. C'est bon, tu n'as pas à me remercier. Ok? C'est tout ce que je suis supposé faire que je fais. Hmm? Tu n'as pas à t'inquiéter du tout, non? Tous tes rêves seront réalisés grâce à moi. Hmm? Nous aurons même notre propre maison ensemble. Pas n'importe quelle. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire ce que je suis supposé faire. Ok? Je remercie le Seigneur. Quand cet argent? C'est pas vrai. Bébé, oh mon Dieu. L'argent parle là. Tchaka, 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 tchaka. Bébé, c'est 30 000 naira. Confirmé. Oh, chérie. Oh. Il n'y a pas de quoi. Je t'aime. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Oh, mon amour, merci beaucoup. C'est bon, chérie. Merci. Ah, ah, arrête de me disgracier comme ça, ok? Oh, c'est quoi? Oh, c'est pas garde vrai. Bien cette somme, ok? Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Uh-huh. Allez, garde ça dans tes poches, d'accord? Hey. Garde oh, ça. Oui, vas-y, garde-le, c'est pour toi. Hey. Uh-huh. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre que tu veux, dis-le-moi. Bébé, je le ferai pour écoute, toi. Écoute, laisse-moi te dire. Je vais garder mon corps uniquement pour toi. Aucun autre homme ne le verra. Oh, un autre homme, mais pour qui c'est point? Il est fou. N'ose pas te faire ça.
quand tu vois un homme, agis avec prudence. C'est mieux comme ça, agis avec prudence. C'est ça, chérie. Ok. Oui, tu as raison. Ma chérie, je dois retourner à mes petits boulots afin que je puisse épargner cet argent. Comment feras-tu pour rassembler 40 000 naira dans un bref délai avec le genre de boulot que tu fais? On dit qu'un demi-pain vaut mieux que rien. Hein? L'homme ne va pas mourir, l'homme ne pourrira pas. Je fais toujours de mon mieux. Je sais. Onyewe, tu es un homme très fort. Adak, tu commences encore. Madaturi Hanature et Hanature Ataya, je dois faire de mon mieux afin de faire face à mes défis. Tu as raison. Continue sur cette voie. Hein? Mais je dois te dire ceci. Il y a tellement d'injustices dans ce monde. Adam, c'est naturel. Peux-tu imaginer comment nous discutons? Dieu, mon ami, sera en un rendez-vous amoureux. Elle est entretenue par ton frère, ton demi-frère Obina. Tu dis la vérité? Pourquoi mentirais-je? Attends, hein? À cause du même argent, mon papa a failli me tuer. Onyewe, la vie. Les supplices de ce monde. Mets-toi au travail, Dieu va t'aider. Assez pour ce sujet. Cette fleur est pour toi. Toi, Okuti. Toi et ton fils. Allez sarcler le reste de ce terrain cet après-midi. Naikweme Biko, je n'ai pas de force. Qu'on les fasse même demain. D'ailleurs, Onyemwe n'est pas à la maison. Il est allé voir Igo Okolo pour lui demander une dérogation pour ses études. Comme ça, dès que nous aurons l'argent, nous allons payer pour lui. Okuchi, je t'ai toujours connue comme une femme qui se plaint chaque fois pour toutes choses. Il n'y a rien que tu fasses à une seule instruction ou bien à la première instruction. Mais si tu veux savoir à quel point je suis énervé ou bien à quel point je suis fatigué de t'avoir comme femme sous mon toit, désobéis à cet ordre. Et tu verras qui je suis. N'importe quoi. Ekweme Dim, tu es mon mari. Je ne peux pas te désobéir et je ne l'ai jamais fait. Sauf que j'ai la fièvre dans mon intérieur. Ferme on peut même le faire demain. Ferme ta lèvre sur ce mensonge. Que cette maladie te tue là-bas. Non, ne va pas dans ce champ cet après-midi. Tu ne me connais pas encore. On verra ce que ça va donner. N'y va pas. Va voir n'importe quoi. Nous ne devons pas nous quereller à tout point de vue. Il n'y a que trouble sur trouble dans cette maison. J'en ai marre. Hé, hey, toi, viens ici. Viens ici. Où est ma voiture? Où est-ce que tu as garé ma voiture? Qui s'appelle où est ma voiture ici? Elle vient de où est ma voiture? Imbécile. Tu m'as giflé! Oh, ma voiture! Hey, mon Dieu, quelqu'un va mourir ici! Oh, Obina! Obina, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête! Obina! Obina! Hey. C'est ton père! Maman! N'oublie pas que c'est ton père! Il m'a giflé! Obina! Ne me tue allez, pas dans cette laisse, maison! Laisse-moi! Obina. Laisse-moi, maman! Obina! Il m'a giflé! Dépose! Maman! Obina, qu'est-ce que maman, tu veux maman! Faire? Obina! Obina! Il m'a giflé! Obina. Arrête! Il m'a giflé, arrête. Moi! Écoute-moi! Obina! Arrête! Maman! Ébéré! Ébéré! Lâchez-moi! Ok! Ok! Allez! Mon frère, arrête-toi! Obina, reviens! Oh, puisque Obina, c'est la mort que Obina, tu veux, Obina, tu l'auras dans cette maison. Ekweme, Ekweme, où es-tu? Maman, oh. Cache-toi. Ekweme, oh. Les malheurs arrivent. Ekweme, oh, mon Dieu, vous n'allez pas me tuer dans cette maison avant mon temps. Ebere, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Mon Dieu, tu vas voir ce qu'il va voir. Obina, Obina, qu'est-ce que tu fous? Ekweme, pourquoi tu caches? Sors de là. Ekweme, cache-toi. Ekweme, sauve ta vie, oh, sinon tu es mort. Ekweme. Ekweme, je t'avais averti. Je t'aurais averti. Ekweme. Obina. Ekweme, oh. Où est-il? Réponds ta responsabilité, tu ne veux où pas. Où est-il? Ekweme. Sérieusement. Obina, il m'a giflé. Arrête. Hey. Arrête. Bam, 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 bam. Non, pas arrête. Arrête. Tu veux arrête. Mourir? Non. Oh. Tu veux mourir? Il m'a giflé. Hey, papa, tu es mort. Papa, tu es mort. Est-il fou? Est-il fou? Mon Dieu. Mon Dieu, cet enfant a changé. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Mon Dieu. Oh, oh. Obina est devenue pire. Oh. Obina, je ne parle pas. Ferme ta bouche. Fais pas de commentaires. Ah.
Hey, Kwame. Hein? Mais qui te poursuit? Qui te poursuit? Neka. Réponds-moi, je t'en prie. C'est Obinao. Ce garçon insolent veut me tuer prématurément. Ah, Obinao. Où est mon frère? Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis? Depuis que vous étiez sortis tous les deux, il n'est pas encore revenu. Obinao. Écoute, Neka. Écoute, hein, s'il te plaît. Si un membre de ma famille venait ici pour demander d'après moi, dis à cette personne que tu ne m'as pas vu. À ce point? C'est plus que ça. Oh mon Dieu. Hé hey. Naïe Kouémé. On y est, ouais. Il y avait un combat terrible dans cette famille. Obina voulait tuer votre père juste parce qu'il l'avait giflé. Ça me fait rappeler. Où est-ce que Obina a mené la voiture de ce pauvre homme? Je ne peux pas croiser mes bras et regarder ce gars tuer mon père. Peux-tu la fermer? C'est quoi ton problème avec ça? Reste loin de leurs affaires. Reste loin de leurs problèmes. Reste sur ta ligne. Et regarde les choses se dérouler. C'est quoi ton problème? Ne sais-tu pas que quoi que papa possède appartient à Obina et moi? Ah oui? C'est maintenant que tu le réalises. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. D'ailleurs, tu n'as rien bénéficié de ton père. Et tu es en train de mener ta vie sans ses biens. Reste loin pour ton bien. Maman, mais est-ce que c'est juste? Ce n'est pas un problème. S'il te plaît, laisse-moi aller terminer mon boulot. Allons-y. Écoute, personne n'arrive, hein, ne t'en fais pas. C'est bon, calme-toi. Je t'avais dit de chercher de l'argent pour l'envoyer à l'école. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu vois maintenant? Tu aurais dû lui payer ses frais pour qu'il reprenne les études. Gidor Fort, que veux-tu que je fasse? Non, que veux-tu que je fasse? Me tuer pour assaloir de l'argent pour lui? Hein? Oh, c'est pour qu'elle a dû voler mon argent? Hein? Dès je te blâme pour ça. Oui. Parce que tu ne faisais que les favoriser au détriment de Onyewe. Et tu peux voir ce qui se passe maintenant. Gidofo, si tu veux m'insulter, fais-le clairement. Si tu veux m'insulter, m'appeler idiot, je vais l'endurer. Mais laisse-moi te prévenir. Ou bien laisse-moi te supplier. S'il te plaît, ne profite pas de cette situation dans laquelle je me trouve pour m'insulter. Et laisse-moi te supplier pour une chose. Chaque fois que toi et moi parlons de quelque chose, s'il te plaît, ne fais jamais mention de Onyewe et sa mère. Je ne vais pas l'accepter. Tu m'as compris? Je ne vais pas t'insulter. Et jamais je ne le ferai parce que rien ne me poussera à le faire. Mais ce que j'essaie de te dire est que, tu vois, relax, personne ne vient ici. Il ne peut pas venir ici. C'est quoi ça? Ce que je te dis est que tu aurais dû chercher 40 000 et les donner à Onyewe. Mais tu ne l'as pas fait. Tu vois ce que Obina t'a causé maintenant? Ta voiture a disparu. Chercher 40 000 naira et donner à Onyewe? Jamais. Du moins pas quand je suis en vie. Je ne vais jamais aider cet idiot avec quoi que ce soit. Pour ma voiture, je vais la voir. Compris? D. Je suggère que tu fasses reculer tes pas. Ok? Est-ce que tu me comprends? C'est très important. Gidofo, arrête d'appeler mon nom en vain. Ça a beaucoup de répercussions. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y en a bien. Oh, il y en a bien. D.
Viens, viens, viens. Viens vite, viens. Hey. Qu'est-ce que c'est? Je ne me sens pas bien. Je suis très pourquoi fatiguée. Ne pas rentrer? Pourquoi ne pas partir à la maison? Oh, je m'arrête là. Ok. J'ai très mal. Maman, va à la maison. Va à la maison, s'il te plaît. Va à la maison. Papa ne tuera personne. Non, laisse-moi d'abord me reposer. Maman, j'insiste. C'est un ordre. Va à la maison. Papa ne va pas te tuer. J'évite le trouble de Kouemé. Kouemé, Kouemé. Ne tuera personne, s'il te plaît. Laisse-moi t'accompagner au bord de la route, ok? Allons-y. Allons-y, maman. Allons-y, allons-y. Ezibone. Ma mère chérie. Papa ne tuera personne. Ça, crois-moi, d'accord? Tu iras mieux. Tu iras mieux, d'accord? Tu iras mieux. Ma mère chérie. Crois-moi, papa ne te fera rien. Il ne fera rien à qui que ce soit. Allez, vas-y. Allons-y, ok? Ça va aller, crois-moi. Chérie? Adak! Où es-tu, bébé? Allez, viens. Viens vite. Où est partie, maman? Maman ne se porte pas très bien. Elle a décidé de rentrer pour se reposer. Tu ne l'as pas vue en chemin venant ici? Non, je ne l'ai pas croisée. D'accord. Oh, peu importe. J'ai apporté à manger pour vous deux. Donc, arrête sur les champs ces boulots et viens vite manger. Es-tu un esprit? Comment as-tu su que je n'ai pas mangé depuis le matin? Comment ne pas le savoir? Tu as toujours été dans mes pensées. Ada, es-tu sérieuse? Bien sûr. Ada, si je suis dans ta tête, cela veut dire que tu es dans mon cœur et dans mon âme. Allez, assis-toi. Wow. Trouve-moi une chose pour que je me mette. Ok. Les femmes d'abord. J'espère que ça te va. Je vais essayer. Je vais bien. Essayer de me tu sais que tu as... Arrête ça. Tu es formidable. Hey. Wow, c'est ce qu'on appelle bébé. Tu es très très bien. Pas tout simplement, tu es très bien. Allez. Ceci est bébé, tu es très très bien. Wow. Cette bouffe ressemble exactement à la personne qui l'a préparée. C'est vrai. Et tu trouves ça comment? Dis-moi. Ça a l'air vraiment délicieux. Prends une autre cuillère. Ne finis pas, tu dois laisser aussi une part pour maman. Ada, si tu sais que tu m'aimes vraiment, prends cette viande. Donc, il a fallu seulement que je mange ça pour te prouver que je t'aime. Tu n'as rien à gagner de nier que tu m'aimes vraiment. En effet, tu es mon inspiration. Ferme les yeux. Ferme bien tes yeux, ne me regarde pas. Prends. Prends. C'est rien que 20 000 naira. Remets-le comme avance du paiement. Et le reste, laissons-le entre les mains de Dieu. Ada, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Tu es vraiment ma colonne vertébrale. Tu es ma force. Quand je me sens faible, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Le Dieu des cieux te bénira. Merci beaucoup. C'est bon. Je promets de t'aimer pour cet acte particulier durant tous les jours de ma vie. D'accord, tu sais que les hommes ne pleurent pas. Et là, tu es en train de pleurer. Arrête. Je ne pleure pas. Alors, c'est quoi ces larmes? Je ne pleure pas. S'il te plaît, Ada. Qu'est-ce que c'est? Apporte cette nourriture à ma mère. J'ai plaisanté. Je sais que le peu que tu as mangé, tu n'es pas rassasié. Termine et puis je ferai quelque chose pour elle. Au moins, laisse-la commencer par celle-ci. Finis-le. Je vais acheter quelque chose en cours de route et je ferai la cuisine. Oh, je dois me mettre en route. Sois fort. Arrête de pleurer. Je dois m'en aller.
Tu auras besoin de ça. Et aussi, de l'eau. Et aussi, les gobelets. Prends. Je m'en vais. On se verra plus tard. Au revoir. Pardon, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Tu m'as compris? C'est ta faute. Dis-moi, qu'est-ce que nous avons pu réaliser de ce dialogue avec cet idiot, avec ce criminel? J'aimerais que tu trouves solution à ce problème de manière calme. S'il te plaît, tu me blâmes comme si c'est moi qui en ai la cause. Mais nous sommes tous là. Je te blâmerai pour toute chose parce que tu ne m'as jamais permis de m'occuper décisivement de ce fou, de ce criminel. Dé, calme-toi. La manière dont tu cries, c'est comme si c'était la fin du monde. Calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. C'est quoi le problème, hein? Et tes apaisements, je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, mon oncle, je t'en prie. Aide-moi à supplier, papa. Je les supplie, mais ils ne m'écoutent pas. Que veux-tu que je fasse? Je t'en prie, mon cher papa. Calme-toi. Ozuko. Pour ta mère, hein? Et pour ta mère, le tonnerre. Amalio Haïgbemiri la frappera à mort. Pour toujours prendre parti et soutenir ce criminel endurci. Que Dieu le prévienne. Papa, que Dieu le prévienne. Dieu ne va jamais la pardonner. Il peut m'aider là. Non, maman. Ouyem. Papa. S'il vous plaît. Ouyem. Maman, quoi, Ouyem? Maman? Ouyem. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Mon oncle, peux-tu imaginer que papa vient de me gronder? Il a dit qu'il n'a rien à me donner pour le traitement de maman Onyewe. Quoi? Ton père t'a grondé? Es-tu en train de me dire que ton père t'a dit qu'il n'a pas d'argent pour acheter des médicaments pour sa femme souffrante? C'est ça? C'est ce qu'il vient de me dire. Mon oncle, je ne comprends plus, papa. Je ne les comprends plus. Comment peux-tu l'être si méchant? Il y a une chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-il si méchant? Hey! C'est bon. Né. Prends ça. Merci. Va à la pharmacie de Unko. Achète un anti-inflammatoire pour ta mère. Hein? D'accord. Et explique au pharmacien son état. Allez, merci, vas-y, beaucoup, fais vite. Mon oncle. Cours. Je pense que il faut appeler Onyewe. Oyem, repose-toi. Hein? Repose-toi. Les médicaments arrivent. Ha! Ça, c'est quel comportement? Onyewe, je suggère que nous puissions amener ta mère à l'hôpital. J'ai l'impression qu'elle souffre de la malaria ou peut-être des fièvres internes. Bikolo, vous êtes le seul docteur que nous avons dans cette communauté. Pourquoi ne pas utiliser votre expérience pour la traiter? Onyewe, je n'aimerais pas prendre ce risque. Parce que si quelque chose tourne mal, j'en serai le seul responsable. S'il vous plaît, est-ce que ma mère va mourir? J'ai besoin de l'avis de ton père avant d'administrer un quelconque traitement à ta mère. Oh, si c'est ça, cela ne serait pas un problème. Il faut que j'aille le chercher. C'est parfait, j'attends. Béré. Papa. Parle à ton frère. Parle à ton frère. Je sais pourquoi je tolère ses caprices. C'est juste parce que je ne veux pas que cette communauté se moque de moi parce que je l'ai accepté comme mon fils bien-aimé et rejeté au Nyenwen. Tu m'as compris? Je peux dénouer ce que moi-même j'avais noué avant.
je peux changer ce que moi-même j'ai déjà écrit. Je peux le faire. Je suis fatiguée, Dobina. J'en peux plus. Mais t'inquiète pas, je lui transmettrai le message. Je lui dirai. J'essaie juste de protéger ma dignité et mon respect dans cette communauté. Sinon, Obina serait déjà oubliée. Papa? Il a quoi? Le docteur a dit qu'il ne traiterait pas ma mère sans ton consentement. Va dire à ta mère que je ne viens pas. Hey, papa. Elle peut mourir, je m'en fous. En quoi ça me concerne? Tais-toi. Ne m'appelle pas papa. Hein? En quoi ça me concerne? Papa, s'il te plaît, ne laisse pas ma mère mourir. Oh, elle respire encore? Oh, je pensais qu'elle était déjà papa. Morte. Papa? Tais-toi, ne m'appelle pas papa. Compris? Disparais d'ici, vite. Quitte ici. Papa, mais on peut quand même faire quelque reviens, chose. Reviens. Hein? Assieds-toi. Si tu avances d'un pas, que voulais-tu aller faire là-bas? Tu ne mourras pas. Laisse-moi mourir, oh. Tu ne mourras pas, maman. Maman, tu iras mieux, ok? Onyewo, où est ton père? Il a dit de commencer le traitement. Ok. Maman, tu iras mieux, hein? Hein? Nous traitons, mais c'est Dieu qui guérit. Ça va aller. Onyewe, aide-moi, amenons-la à l'intérieur. Je dois lui donner une piqûre. D'accord. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Lève-toi, doucement. Attends. Oh, désolé. Désolé, je sais. Lève-toi. Doucement. Doucement. Non, cette main, celle-ci. Lève-toi, maman. Désolé. Désolé, hein? Désolé, maman. Tout ira mieux, hein? Désolé, maman. Lève-toi. Désolé, maman. On y est, moi? Les injections que j'ai données à ta mère vont la garder jusqu'à demain lorsque je viendrai prélever ces échantillons pour les examens. Et après, si tu dois me suivre à la pharmacie pour les médicaments. D'accord. Onyewe, j'aurai besoin de 30 000 Naira. Comme avance, pour la consultation et les traitements. Monsieur le docteur, ayez pitié de nous. On n'a rien d'autre que 20 000 ici. Puis-je te donner 18 000 Naira et garder 2 000? Tu dois comprendre que je ne vends pas les arachides. Écoute, à moins que tu préfères que ta mère meure. Non, je ne veux pas qu'elle meure. S'il vous plaît, aie pitié de nous, non? Onyewe, tu vas me donner 20 000 Naira maintenant. Et fais un effort de trouver l'argent pour le traitement de ta mère. Sinon, j'arrêterai les traitements. Donne-moi l'argent. Est-ce que c'est parce que je vous ai suivi ici? Faut venir à l'hôpital. Vous allez voir comment vous allez dépenser pour cette maladie. Donne-moi ça. J'espère que c'est complet. Oui, monsieur. Est-ce complet? Oui, monsieur. Suis-moi à la pharmacie. Suis-moi, dépêche-toi. Papa? Je te supplie, au nom de Dieu, donne-moi de l'argent afin que j'aie acheté du médicament à ma mère. Le pharmacien refusait de traiter ma mère il y a 2 jours maintenant. Oh quoi? Est-ce que ça va? Ça te fait quelque chose? Que je le fasse un peu plus fort que ouais, ça? Ouais. Onyewe, quel est ton problème? Es-tu sourd? Si tu es sourd, es-tu aveugle? Ou bien c'est les deux. Oh, Onyewe, es-tu si naïf que tu ignores que ça fait longtemps que
qu'il y a une bataille qui se déroule en coulisses dans cette famille? Ton frère Obina. La raison pour laquelle il est toujours ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, sinon il serait parti depuis à l'école. Pourquoi tu veux me forcer à parler? Papa, s'il te plaît, tout ce que je demande, c'est juste 10 000 naira. Juste 10 000 naira? Si tu ne peux pas me les donner de cette manière, empruntez-les-moi, je vais te payer après. Juste. Comme ça paraît moindre pour toi, comme tu le dis juste, tu peux monter sur cette orangée et les cueillir. Ne sais pas ce que tu veux que ton père te dise pour que tu croies qu'il n'a pas réellement d'argent. Comme tu le sais bien, je n'aime pas te parler. Ou à ta mère. Parce que tous deux, vous n'aimez pas entendre ma voix. Ma voix vous dérange quand je parle. Mais je vais te filer un conseil. Jeune homme. Ou peut-être que tu veux que ton père crie afin que tu comprennes qu'il n'a pas d'argent. Je me demande où. Tu oses aussi dire juste 20 000 naira. Juste. Ce n'est pas aussi peu comme tu le mentionnes, non? 20 000 naira, c'est une somme importante, oh, si tu ne le sais pas. Hein? Maman Obina, la vie de ma mère est en danger. Est-ce qu'elle a mis la vie de ta mère en danger? C'est elle qui a mis la vie de ta mère en danger? Est-ce que tu as un problème avec ton ouïe? Je dis, je n'ai pas d'argent. Même s'il y avait de l'argent dans cette maison, cet argent sera alloué aux études de Obina. C'est ça le plus grand problème que nous avons maintenant ici dans la maison. Hein? Pardon, maman, papa. Je ne veux pas perdre ma mère. Pourquoi nous rend-il coupable ici? C'est ça même la question que je me pose. Vous avez des choses plus importantes que la vie de ma mère? Oui, non. Très clair. Tu es un homme. Va chercher l'argent. Maximise ton temps. Certainement, tu trouveras quelque chose au lieu de passer ton temps ici inutilement. Ne sais-tu pas comment chercher l'argent, hein? D'ailleurs, zéro. Fou. Je ne veux pas perdre ma mère. Regarde-le. Regarde ce qu'il a même dit. Il est dû aussi aisément. Juste 20 000 naira. Mets la main dans ta poche, de derrière et fais sortir ces juste 10 000 naira, n'importe quoi. Tu le vois toi-même. La maladie de Okuchi vient de cette stupide serment qu'il a eu à faire avec son fils. C'est aussi évident que Onyeme avait volé l'orange. Tout ça sont les conséquences de son vol. C'est aussi clair que ça. Oui. Il est coupable. Il pense que ce que tu dis est vrai. Je pense que je vois clair ce qui se passe maintenant. Tu as raison. C'est ça même. Parce que Ayemana Obina, bien souvent Obina paraît être têtu et arrogant. Et l'obstination. Mais Obina ne peut pas arriver jusqu'au point d'aller voler un truc de quelqu'un d'autre. En dehors de la maison. Tout ça, c'est ce qu'il a commencé depuis. En volant des petites sommes d'argent ici à la maison. Et qu'il appelle même vol. Merci, c'est ça. Tu as compris. C'est ça leur problème. Ils ne sont qu'en train de payer le prix de leur péché. Je les aurais avertis, mais... Salut. Mon fils. Salut. Je pense que vous êtes Monsieur Ekwueme Sofo. Chief Ekwueme Sofo. Ouais, c'est moi. Je vois. Comme vous le voyez, nous sommes les détectives venant du quartier général de la police. Commissariat central. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Madame, on ne serait pas venu ici s'il n'y avait pas de problème. D'accord. Quel problème? Nous sommes ici pour fouiller votre maison pour possession illégale d'armes à feu. Et c'est un ordre venant de l'inspecteur général de la police. Goudier. Ça vient d'où ça? Chief, faites-nous entrer dans votre maison. Vous avez le droit de nous fouiller avant de nous laisser entrer dans votre maison. Vous l'avez entendu? Ouais. Dieu, mais c'est très sérieux. S'il vous plaît. Levez-vous tout de suite.
Et la fouille. Prends Sindel. Cody, oublie ça d'abord. Votre collègue vient de dire que nous avons le droit de faire une fouille sur vous avant d'aller à l'intérieur. Alors, allons-y. Ce n'est plus nécessaire. Quoi, avancez mais... maintenant. C'est nécessaire. Et quoi, mais... Biko... Avancez. Allez, à l'intérieur tout de suite. Ok, reste là, non? Reste avec elle. Ce n'est pas correct. Pourquoi cette menace? Votre collègue a dit que nous pouvons vous fouiller avant d'aller à l'intérieur. Alors, pourquoi ne pas accepter? Je ne vais pas fuir. Sois calme. Biko, j'aime la façon dont tu as croisé tes bras. Biko, je ne vais fuir nulle part. Ça, c'est ma parcelle. Je suis là avec toi. Je n'ai aucune intention de m'échapper, hein? Te dérange pas, hein? Tu peux garder tes bras croisés, hein? Je ne vais nulle part. C'est ici ma maison. Ezuri. Est-ce que ça va, maman? Oh, ça va bien, oh. En tout cas, l'eau m'a très bien soulagée. Je te l'avais dit. Je me sens mieux maintenant, ma fille, hein? Todo, tout va bien maintenant. Où est Onye, ouais? Il était allé voir son père et depuis lors, il n'est pas encore revenu. D'accord. Ma fille. Oui, maman. Je prie pour toi. Dieu va te bénir dans la richesse. Amen. Toute chose que tu voudras, Dieu va te le donner. Amen. Tu ne tomberas jamais malade comme moi maintenant. Tu seras toujours forte. Amen. Hein? La joie sera toujours ton partage. Amen. Connais-tu les bonnes choses qui vont t'accompagner? La guérison. Amen. Les miracles. Amen. Pas de déception pour toi. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. Oh, maman. Merci. Dieu va te bénir. Allons à l'intérieur, je vais te dire quelque chose. D'accord. Frank, qui je vois là? Franco, le dieu professeur. Oui, oui. Le grand mathématicien du 21e siècle. Hé, mon gars. Mon pote. On dit quoi? Je vais bien. C'est toi, ça. Ouais. Comme tu es en forme. Mon cher, tu peux dire ça encore. Que se passe-t-il? Copain, me voyant ainsi, as-tu encore besoin de demander qu'est-ce qui se passe? Mon habillement a déjà une réponse à ta question. Mon cher, oublie ça. Hey. La vie même est pleine de complications, bien sûr. Copain, complications dans quel sens? Mais, te voir comme ça. J'ai juste demandé d'après toi chez ma mère, il y a 2 jours de cela. Okay. Ma mère m'a dit, j'ai demandé d'après toi, elle m'a dit que tu apprends la mécanique ou je ne sais quoi. Ah, bigo, Koros. Mon frère, ce n'est pas un mensonge. Malgré mon intelligence, est-ce que j'apprends... Quoi? Le grand mathématicien que je connais? Mon frère, c'est la réalité. Je dois manger, non? C'est pourquoi je suis comme ça. Écoute, oublie ça. En me voyant, tu sauras que les choses ont changé. Honnêtement, copain. Ce qui m'a changé, te changera aussi. Est-ce que tu me comprends? Copain, c'est vrai. Allez, tu ne peux pas rester comme ça. Je suis sûr que tu vas réussir. Ok? Allez, bougeons. Franco. Comment peux-tu avoir des amis comme moi et puis rester ici? Juste en me voyant, tu sauras que les choses marchent bien pour moi. Franco. Ici au village, tu ne s'en sortiras pas. Franco. Me voici, Onyewe. C'est moi, Onyewe. Regarde-toi. Quoi? Allez, tu dois changer ça. Allons s'asseoir quelque part. Tu comprends? Franco. Je ne peux pas te laisser dans cet état. Franco. Mais pourquoi nous sommes des amis? Franco. Maintenant, vous pouvez lui retirer l'arme. Asseyez-vous. Je dis asseyez-vous. Vous savez, le fait d'avoir possédé illégalement cette arme vous emmène directement à Abuja et vous allez passer 25 ans en prison. Hey! 25 quoi? Un. Ah oui. Jamais. S'il vous plaît, mon fils, ne me faites pas ça. Je suis désolé pour la façon dont je vous avais parlé avant. Hein? S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Réglons cette affaire ici. Regarde mon âge. Je ne veux pas aller à Abuja. En plus forte raison en prison. Biko, s'il vous plaît, hein, je vous prends juste comme mes propres fils. Makana Abdomoni. S'il vous plaît, comment fixer ces problèmes ici? Si vous amenez ces vieux hommes
en prison. Hein. C'est chercher sa mort. Hein, juste à cause de ses problèmes familiaux. Problèmes familiaux. Trouvons une solution. Madame, vous parlez d'arrangement. Ça, c'est une tentative de corrompre un agent de police en mission. Non, c'est pas ça mon intention. Oh non, ça c'est loin de nos intentions. Non, nous ne voulons pas vous corrompre. Régler ne veut pas dire soudoyer. Un moyen comment régler ces problèmes. N'est-ce pas? Ça va, comme vous voulez qu'on aille dans cette optique. Laissez-nous avoir 350 000 pour l'arrangement dont vous parlez. Hey. 300 quoi? 350 000 naira. Nous n'avons pas assez d'argent. Je n'ai pas ce montant d'argent, non. Bigot. Dis-lui 50. Qu'est-ce que tu as? Dis-lui 50. Tu as combien? 50 000. Ne soyez pas offensé, hein, Biko. Parlez. Résolvons ces petits problèmes avec 50 000 naira. Ouais, 50 000. Biko. 50 000 quoi? Tout de suite même, je vous le donne. Je vois que vous pensez que nous sommes ici pour blaguer. Non. Maintenant, c'est bougez. Pas ça. Maman? Abby. Maman, je t'ai apporté ton plat préféré. Dis-moi. Néo, merci. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, bien sûr, Dieu est fidèle. Toi et Adako, c'est vous qui prenez soin de moi. Hein? Dalono, Dieu va aussi te bénir. Merci. Maman, papa s'est fait arrêter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, écoute, deux policiers venant d'Abuja. Ils étaient venus l'arrêter. Et comme motif, la possession illégale d'armes à feu. C'est quelle arme à feu encore? Oh, Ogini quoi? Maman, c'est l'arme à laquelle il voulait tuer sur Onyewe. C'est cette arme qui lui a causé du tort. Est-ce que c'est sérieux? Es-tu sérieuse? Eh mon Dieu! Sont-ils partis avec lui? Non. Je les ai entendus en train de négocier avec ces policiers. Ils les avaient proposé la somme de 140 000 naira. Mais ils ont refusé. Es-tu sérieuse? C'est la vérité, maman. Ça, c'est sérieux. Ne lui dis rien, maman, s'il te plaît. Je ne dirai à personne, okay. Ma fille. C'est ça. Ok. Celui-là a eu peur, j'espère. Ouais, de qualité. C'est très bien. C'est bien ça, mais je ne comprends toujours pas votre idée. Pourquoi est-ce que vous avez laissé l'arme là-bas? Ok, oui, on lui a laissé ça au cas où on aura du business dans le futur. Que veux-tu dire par futur? Ça sera utile pour nous encore, non? Tu devrais savoir. Mon papa n'est pas un voleur, il n'a jamais rien volé, lui. De quel futur? Attends. Tu vois, non? Attends. Gars! Maintenant, tu es tout malade, t'es un vrai malade, gars. Tchelou, vous êtes très malin, hein? Vous comptez vraiment retourner là-bas pour avoir encore de l'argent? C'est ça l'idée, non? Ce gars... Mais je confirme, tu sais, depuis le jour où j'ai vu ta grosse tête, je me disais qu'il y avait beaucoup de choses qui se cachaient là-dedans. Ouais. En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Je confirme vraiment, c'est très bien joué. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, on lui a fait payer 170 000 comme le frais d'arrangement officiel et 10 000 comme notre frais de déplacement. Voici 180 000. Prends ça. Je ne crois pas que je devrais l'avoir avec moi. Est-ce que tu peux me l'amener au marché là-bas? Vers ma maison. Ce n'est pas très loin. Merci beaucoup. Ouais. La vie, hein. Je pourrais voyager en première classe, non? Je dois d'abord arriver à la maison et prendre le transport. Ok, les gars. Dites, le 20% de 180 000, c'est combien? Non, tu ne devrais pas ajouter. C'est 10 000, non. C'est notre frais de transport. Tu devrais comprendre cela. En fait, mets ces 10 000 de côté. On partage 170 000 ici, ok? Tu ferais mieux de nia 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 nia. Mais toi aussi, hein? Ça veut dire quoi? C'est moi qui vous a envoyé d'entrer dans un taxi pour aller chez moi juste au coin ici. C'est ça que tu veux me dire? Hein? Mon gars,
20% des 180 000 dans 35 000, ça sera votre argent. Non, c'est 36 000, oh. 36 000. Ouais. Donc, tu connais les maths à ce point. Bien que maintenant, tu voles l'argent des gens. Et pas de problème, non? Vous aurez vos 36 000, ok, d'accord? Pas de problème, donne-nous ça, ok? D'accord, on verra ça. Mais mec, t'es en un fait, vrai malade. Tu dépenses rien, hein, tu sais. T'es un bad boy. Je le sens. Et d'ailleurs, je le sentais. Juste pour être franc, je le sentais déjà. Non, je le sentais. Au moins, ajoute quelque chose pour nous, non? Pas de problème. D'autres deals viendront. Pour aujourd'hui, ce n'était qu'une affaire d'armes. Rien de plus simple, d'ailleurs. Mais on aura bien mieux que ça, ok? Ok, ne pas vous de en problème. Faites pas. On va très bien commencer à partager l'argent, hein? Non, vous êtes des vrais malades, oh. Des bad boys. Est-ce que nous sommes des débutants? Non. Mon gars, passe-moi ça. Hey. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que Okuti et son fils sont très dangereux. Que tu ne le penses. Dia, ils sont capables de tout faire pour te causer tort. Hey. Tu ne voulais pas me croire. Vois où nous en sommes. Il faut gagner. Tu l'as vu? Hugo, Dia, tu es une prophétesse. Oh! Tu vois les choses avant qu'elles ne se Merci. Réalisent. Merci. Quand je te disais que j'avais un certificat pour ça, tu ne voulais pas me croire. Tout me devient maintenant clair. Au moins, tu me croiras. Gloire à Dieu. Juste imagine là où l'insubordination m'a amené. Oh! Oh! Qui pourrait même croire qu'Ognien Wen pourrait aller jusqu'au point d'amener la police pour fouiller ma maison? Hey! Ognien Wen doit être sous un mandat d'arrêt. Tu dois le faire arrêter. Ognien Wen n'est pas aussi bête. Hein? Il ne peut pas se réjouir, voir que tu as envoyé Obina à l'école pendant que lui est là. Alors, il est prêt à tout faire. Il est capable de te faire toutes sortes d'outrances. Crois-moi. Ouvre hey. Tes yeux, tu ferais mieux d'agir vite. Ognien Wen est un meurtrier. Ça, c'est un meurtre. Il est même un anarcheur. Oui, c'est ça. Tu sais là où je suis plus surpris et étonné? Quoi? Comment a-t-il pu être en contact avec la police fédérale? Incroyable. C'est ce qui me donne plus la migraine. Au moins maintenant, tu comprends sa vraie nature. Oh, Ségéné. Naé, change ton opinion à son sujet. C'est un mécanicien dans un grand atelier. Et dans ce grand atelier, il répare de voitures de personnes de statut confondu. Là-dedans, il y a tout. Ils ont des voitures de commissionnaires, des officiers de police, des agents de gouvernement. Qu'est-ce que tu crois? Ainsi, ils peuvent avoir des contacts de policiers à n'importe quel moment. Hein? Toi, tu n'écoutes pas. Tu ne m'as jamais cru. Heureusement que tu laves tes propres yeux. Charmendi. Quand je te disais qu'il est terrible, tu ne me croyais pas. Sauf ta vie de ces garçons. Les bras. Hey! Tu dois agir vite, oh. Tourne vite ta tête. Trouve quoi faire. Tu l'as sauvé ta vie. Réveille-toi. Ognien Wen. Il a eu le courage de me faire ça. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu si content? Dis-moi, pourquoi es-tu content? Pourquoi es-tu en train de chanter? J'ai rencontré un ami de longue date aujourd'hui. Un très bon ami. Tu vois, après lui avoir dit l'expérience que nous vivons, hein, comment tout le monde nous a abandonnés, hein, il a promis de payer toutes nos factures. Et même payer le pharmacien que nous devons, ça fait longtemps. C'est vrai ça? Je te dis. Es-tu sérieux? Hey! Le Seigneur est vraiment le Dieu de miracles. C'est vrai. Ouais. Hey! Ça n'a même pas fini là-bas. Attends une minute. Quoi encore? C'est quoi encore? Il m'a aussi donné cet argent, 20 000 naira. Tu vois la raison pour laquelle on dit toujours « Ceux qui s'attachent à l'Éternel ne sont jamais déçus. » Est-ce que tu vois? Leur visage
ne sera pas couvert de honte. C'est vrai, maman. Est-ce que tu vois maintenant que tu as porté quelqu'un de bien? Dieu a vraiment écouté nos prières. Oui, hein? Maman. En tout cas, ce qui est sûr, le Seigneur est merveilleux. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire te soit rendue. Maman, je te suis reconnaissant pour m'avoir élevé dans la voie de Dieu. Merci. Je te promets ceci. Je les verrai aussi, mes enfants, mes propres enfants, et leur léguerai aussi cet héritage. Mmh. Merci beaucoup, maman. J'aime ça. Et toi et Adako devraient commencer les préparatifs. Ça, c'est sûr, n'est-ce pas, Adako? Maintenant, ça me rappelle. Où est-elle? N'est-elle elle pas est à l'intérieur? Pour m'acheter quelque chose. Ok. Et la nourriture ici? C'est Kebelo qui me l'a apporté. Kebelo est ma sœur. Celle-là, elle est bien. Elle n'est pas comme sa mère. Elle est un ange en forme humaine. Je sais. Tu peux le dire encore. Va d'abord me chercher de l'eau. D'accord. Dépêche-toi. Ok. Obina, je me suis libéré avec une somme de 200 000 naira. Quoi? 200 000 naira. 200 000 naira? Je jure Dieu. C'est ce qu'ils ont pris de mes mains. 200 000 naira. 200 000 naira. Hey! Ces gars, les ces policiers sont des vrais malades, hein? 200... Mais papa, attends, oh. Pourquoi est-ce que ta vieillesse à toi s'annonce avec des fêtes et des mensonges? Je ne comprends pas. Je me disais que quand tu vieillirais, tu serais en train de dire la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, mais parce que tu nous avais menti, non? Que tu n'avais plus d'argent du tout, n'est-ce pas ça? Que les derniers 200 000 naira qui avaient mystérieusement disparu dans cette maison, c'était ta dernière carte. Mais tu avais d'autres 200 000 naira dans cette maison qui devaient me permettre de retourner à l'école. Sais-tu que tous mes amis sont actuellement à l'école en train d'étudier? Le sais-tu? Laisse-moi te demander. Est-il déplacé pour un homme? Je veux dire, pour un homme responsable de garder quelques secrets pour lui-même, pour des mesures de précaution. Allez, papa, épargne-moi de ça, s'il te plaît. C'est quoi ces mesures de précaution? Tu m'as déjà vu prendre des mesures de précaution, papa? C'est quoi mon affaire? Écoute, de maintenant jusqu'au lundi prochain, disponibilise tout pour moi afin que je retourne à l'école. Il me parle de mesures de précaution. Père et fils, j'ai fini, oh. Tu avais donc encore 200 000 dans cette maison? Parce que c'était... Allez, Obina. Arrête, mon mari. Je sais que mon instinct ne me trompe jamais. De quelle intuition parles-tu? J'ai vu Onyeme. Quand il est rentré de la maison, il était accompagné des officiers de police dans la parcelle. Je sais absolument que c'est lui qui est derrière cette histoire. Sans faute. Il n'est pas digne de confiance. Pour ton fils est un assassin. Nous sommes là, dans cette parcelle, avec ces gens. Tu verras, nous verrons de toutes les couleurs. Maman, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de prier pour moi. Dieu est le spécialiste d'impossibilité. Je crois en toi, mon fils. Va avec la force que tu as et tu verras notre Dieu en action. Amen. Onyewe, papa, si tu ne veux pas que des cadavres jonchent le sol de cette maison maintenant, entre là-bas et donne-moi mes 200 000 que tu as volés. Maintenant même. Papa, quels 200 000? Imbécile, tu me poses cette question. Si tu n'arrêtes pas ce jeu, hein? Soit tu peux avec la vie de ta mère ou avec ta propre vie. Va là-bas et donne-moi mon argent. Tu es toujours assis? Peux-tu, s'il te plaît, te calmer et me dire de quel argent es-tu en train de parler? En tout cas, je ne sais pas, je suis perdue. Okuchi, que les ténèbres enveloppent ta vie. Puisque tu fais semblant que tu ne sais pas que ce criminel ici a fait un avec ses amis policiers et m'a dupé d'une somme de 200 000 naira. Ses amis policiers? Policiers, demande-lui. Mon onye, ouais. Pourquoi es-tu comme ça?
Pourquoi es-tu devenu très méchant? Suis-je la première femme ou la seule femme qui est haïe par son mari? Qui encore a les amis policiers ici? Celui-ci peut te faire ça? Ah, arrête d'abord, non? Okuchi, as-tu bien réfléchi? Tu me poses cette question? C'est la seule réponse que tu me donnes? C'est ça. Malgré mon argent. C'est ma dernière c'est réponse. Ça. Oui, c'est ma dernière réponse. D'accord. Et toi, Onyewen, Obunyoshi, pas de problème. Attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Puisque tu ne veux pas accepter, il va y avoir une pluie diluvienne dans cette maison. On va voir ce que ça va donner. Lève-toi. Tu ne me connais pas maison. Encore. Okay. J'arrive pour Dépêche-toi. Toi. Dépêche-toi. Entre dans la maison, mon fils. Je ne veux plus des troubles. Oh. Hey! Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que cet homme va laisser mon fils et moi tranquille? Hey! J'en ai vraiment marre, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Maman. Je sais que ce n'est pas cette manière que les choses sont faites. Mais je veux que tu sois un témoin oculaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ada, s'il te plaît. Est-ce que toi et moi pouvons être mariés femmes toute notre vie? T'es sérieux? Non. Tu devais me remettre un anneau pour symboliser cet engagement et pas verbalement. Ma fille, où est le problème? Vas-tu lui donner ta main ou pas? Dis seulement oui. Comme ça, tu vas faire de sorte que je vive encore longtemps. Tu sais que je me sens pas bien. J'aime des surprises. Mais pour être honnête avec toi, la façon dont tu nous as aidés, ni un ami, ni un frère, ni une sœur ne peut le faire. Chérie, écoute, tout ce que je fais et que je continue de faire, c'est parce que c'est mon cœur qui me le dicte. C'est pas comme si je le faisais avec l'intention qu'on puisse se marier un jour. Je le fais parce que mon cœur me le dicte. Adako, ce n'est pas que le mariage est une contrainte. Ce qui est important, c'est que les couples vivent heureux. Tu vois, merci beaucoup. Tu vois ce que je disais? Merci beaucoup. Dans quelques mois, tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé, je te dis, ma chérie. Chérie? Très bientôt, tu auras ta propre maison, non? Et même ta propre carte de crédit. Normalement, quand quelqu'un veut me défier, je sais toujours comment réagir face à cette situation. Tu me connais, non, toi, hein? Je te le dis franchement, chérie, tu oui. vois. Donc, faut rester cool. Je sais comment gérer. Mon bébé. Oublie ces gars. Je ne veux pas que tu puisses te battre ou te quereller avec lui. Pour que la paix puisse régner dans la famille, tu dois l'oublier. Je ne veux pas que tu puisses te battre avec lui à nouveau. Juste ignore-le. Hein? Ignore-le, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne puis faire autrement. Tu es la seule qui sache oui. me calmer. Si tu savais la rage que j'ai maintenant. Bébé, je sais que tu fais tout cela pour moi. Au nom de l'amour que tu as pour moi. Donc, oublie ces types et pense à autre chose. Je ne suis pas sûr. Ne pense plus à ces pauvres types. Chérie, je crois que tu dois sûrement avoir faim. Oui, tu as raison. Avec toute cette rage, j'ai même oublié. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Il y a les ignames à la cuisine. J'espère que tu vas manger. Bien sûr. D'accord. Attends que je te la porte. Dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Regardez-moi celle-là, une vraie bombasse.
il y a quelque chose dont tu as besoin pour aller à l'école? J'ai besoin d'acheter quelques vêtements. Tu sais comment ça se passe. Je ne peux quand même pas commencer à répéter les mêmes habits tout le jour. Tu es une femme très matérialiste, toi. Allons, ne dis pas une telle chose, chérie. Et j'adore la façon dont tu prends soin de moi. Es-tu sûre? Es-tu vraiment sûre que tu n'iras pas voir ailleurs? J'espère que je ne t'attraperai jamais avec une autre fille. Non. D'accord. Crois-moi, chérie, tu peux me faire confiance. Mais comment est-ce que je peux en être sûre? Sois-en sûre, chérie. Je ne te trahirai jamais. Sois-en sûre. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Allez, assez bavardé. Mangeons maintenant, ok? Fais-moi confiance, ok? Jenny, mon amour. Mon amour, je t'écoute. Mais je t'aime, chérie. La nourriture te plaît? Quelle drôle de question. C'est pas si mal que ça, oh. Arrête-moi ça. Tu veux dire en que fait, c'est mauvais? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça ne ressemble en rien avec la nourriture qu'on mangeait là-bas à l'université. Ce sont les étudiants qui la préparaient. À quoi tu t'attendais, hein, toi? Prends, je sais que tu as faim maintenant. C'est très bon en tout cas. C'est ce que tu devais dire. À la place c'est vraiment très bon. Tout ça. Quel est le bien? Tu dois faire mon nom. Quel est le bien? C'est pour ici. Il s'était occupé de moi. Il s'était réellement occupé de moi. Peux-tu imaginer qu'ils ont mis à genoux Ugo Dia, ma femme et moi-même pendant 3 heures de temps? 3 heures de temps. Tu commets toujours cette erreur. Je t'ai dit mille et une fois. Pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un pour qu'il vienne m'appeler? Je suis là pour toi, je suis ton frère. Jidofo, pense que j'avais ce temps. Il ne m'avait donné aucune opportunité, même pour parler à qui que ce soit. Au fait, j'ai dû me libérer avec une somme de 200 000 naira. C'est du mensonge. Quoi? C'est du pire mensonge. N'oublie pas que tu avais juré que tu n'avais pas d'argent dans la maison. Comment est-ce possible? Jirofo, arrête de parler comme Onye Zembo. Arrête de parler comme Onye Zembo. Tu parles quelquefois comme des hommes qui ont de la migraine. Hein? N'es-tu pas un homme? Donc, en tant qu'homme, je ne dois pas avoir quelque chose sur lequel m'appuyer. Donc, je dois exposer tout ce que j'ai au monde. Hein? C'est bon. Laisse-moi te demander. Comment la police a-t-il su que tu avais une arme chez toi? C'était par le biais de Okuchi et son fils inutile là. Ils ont juré de me tuer prématurément. Mais, merci au Dieu très haut. Merci à ce Dieu pour l'instinct d'enquêteur de mon aimable femme, Ugodia. Elle les a attrapés célébrant leur victoire. Ouais. Est-ce que Ugodia a une preuve? Ouais, elle en a. Elle les a attrapés partageant la part qu'ils ont reçue. Ouais. Et du quoi, Mogo? C'est ça, mon frère. Ce que je vois dans cette maison, tu vois, hein? Très bientôt, je vais vendre ces chaises et les tables. Au fait, je vais arrêter tout ce qui concerne à louer. Je les vendrai avant que quelqu'un d'autre nous les vende. Et du quoi, Mogo? Ok. Laisse-moi boire. On y ne me bat. Jenny, chérie. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? J'aurais bien aimé manger des pop-corns là, normalement. Bien, quelles sont les choses que tu as besoin d'acheter au juste pour l'école? Bébé, je ne vais pas te déranger tout le temps avec mes problèmes. Non, allez chérie, t'ai-je demandé de me déranger?
C'est une question très simple. Tu sais très bien que c'est dans mes obligations de rendre ton séjour à l'école favorable. D'accord. Du fait que tu insistes, je te le dirai. Bébé, j'ai besoin de l'air conditionné. Et j'ai aussi besoin d'un téléviseur. Celle-ci n'affiche pas bien les images. J'ai besoin d'un iPhone. Et aussi d'un ordinateur. Tous mes amis de l'auditoire en possèdent, il n'y a que moi qui en manque. Tu as besoin de l'air conditionné. Oui, bébé. Tu as besoin d'une énorme télé. Mm-hmm. Tu veux un iPhone. Mais tout ce que tu viens de dire là, ce n'est pas ce que je t'ai demandé maintenant. C'est de ça que j'ai besoin. Moi, je parle de l'école, non? Mais ce que je te demandais là, c'est ce dont tu as besoin pour l'école. Pour l'école. Les fournitures scolaires, par exemple, hein, tu vois? C'est exactement de ça que j'ai besoin pour l'école. Tu sais bien qu'avec un grand téléviseur, j'aurai moins l'impression d'être seule, bébé. Je ne peux pas rester ici seule. Cet endroit est ennuyant. J'ai besoin de la télé, bébé. Ça va me faciliter la vie dans cette maison. Et dans tout ça, pourquoi iPhone? Parce que je comprends pas... Ok, pas grave. Tout ce que tu viens de me demander, là, tout de suite... Est-ce que 3000 n'ira plus les acheter? Oui, ce sera parfait, bébé. Ok, pas grave alors. Ok, je te donnerai l'argent alors, vu que je n'ai pas le choix. Es-tu sérieux? Tu vas me donner cet argent? Oh, chérie, merci beaucoup. Merci. Oh, je ça va, ça va, ok? Je ne sais vraiment pas ce que je ferai sans toi. Oh, eh bien, reste juste très prudente. Pour ne pas aller chercher d'autres gars. Allez, bébé, je jure sur ma vie que je ne laisserai aucun autre homme voir ma nudité. Rien que toi. Qui est là? Okechukwu, ouvre la porte. Qui est Okechukwu? Bébé, ne te dérange pas. C'est mon collègue de l'école. Il est sûrement venu me remettre les devoirs que tu avais fait aujourd'hui. Ne te dérange pas. Comment ça venir te remettre les devoirs que vous avez fait aujourd'hui? Mais tu m'avais dit que tu étais allé à l'école, non? Bien sûr, bébé. Alors pourquoi n'as-tu pas récupéré le devoir à l'école? Bébé, c'est pas seulement ça. Il vient souvent ici pour manger. Tu connais comment sont les garçons. Quand je prépare, je laisse un peu pour eux. C'est des garçons. Donc cela veut dire que tu nourris tous ces garçons-là dans cette chambre? Non, bébé, c'est pas ce que tu crois. C'est juste que je dois deux fois les aider. Ils ne savent pas préparer, donc des fois quand je fais la cuisine, je garde un peu pour qu'ils viennent manger. Tu sais que c'est des étudiants. Tu partages la nourriture avec tout le monde? Non. Parce que tu as cette provision ici. Hein? Bon, je ne te blâme pas. Voilà les trucs bizarres qui peuvent nous arriver dans la vie. Bébé, s'il te plaît, c'est pas ça. Je les assiste quelquefois. Hein? Tu sais qu'entre collègues, c'est pas mauvais de se rendre service deux fois. Mon mari et moi allons bien. Gloire à Dieu. C'est juste que le pharmacien m'a demandé de faire un peu des exercices. Voilà pourquoi tu m'as vu faire la marche. Gloire à Dieu. Je peux voir que tu récupères très vite. C'est bien, alléluia. Dieu merci pour cette guérison. Dieu ne pense pas de notre façon. Il a sa façon de penser en tant que Dieu. Et cette façon est toujours à la hauteur. Tu as raison. Si les hommes étaient Dieu... Ne va même pas là-bas. Ne fais pas mention à cela. Parce que toute personne, et moi incluse, allait déjà mourir. Tu as raison. Oh. Le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux et plein de bonnes personnes. J'ai cherché Onyewe à la maison. Mais je ne l'ai pas vu. Oh, dis deux fois, je ne te mens pas. Je leur ai demandé d'aller habiter dans la maison de mon oncle. La fille de cette maison est tellement dure. Alors pour éviter tous ces dérangements, je leur ai demandé d'aller vivre là-bas. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Calme-toi, ça ira. Hein? Ton mari insinue que c'est lui qui avait amené les policiers qu'il avait arrêtés pour possession illégale d'armes à feu et qu'ils lui ont pris 200 000 naira. Est-ce vrai? Est-ce qu'Onyewe connaît même la police? N'est-ce pas que c'est la personne qui a beaucoup d'argent qui est amie de la police? Onyewe n'a rien du tout. S'il te plaît, la fin du méchant est déjà proche. Je suis d'accord avec toi. Il est vraiment envoûté. Je suis vraiment d'accord. Laisse-le juste comme ça. Il est dans la confusion. Tu as raison. Il ne sait pas ce qu'il fait.
Mais calme-toi, hein? Ça ira. Moi, je rentre à la maison. Sois fort, oh. Ça ira. Hein? J'ai marché de toute cette soirée. Moi, je rentre déjà. Prends soin de toi. Hein? Elle est le meilleur. À mon moment, Sancha. Ici que, hein? Un accord. Hé, hey, toi, viens ici. Okuchi. Monsieur. Sais-tu que c'est maintenant que je réalise que j'ai épousé une sorcière en toi, à Mosu? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais pas ce que tu as fait. Non. Okuchi, tu as secrètement renvoyé ton fils après m'avoir dupé de mes 200 000 naira. Écoute, mais... Je ne sais pas de quelle bêtise tu es en train de parler. Il peut aller n'importe où il veut, hein? Mais je ferai usage de toutes mes connexions pour l'attraper. Et crois-moi, quand ce sera fait, ça va être sanglant. Attends, pourquoi me qualifies-tu ainsi? Tu me traites de sorcière et tu traites mon fils de sorcier? Ouais, non. N'est-il pas un voleur armé? Laisse-moi te dire, mes ancêtres vont le frapper à mort. Qu'il aille là où il veut. Bien sûr, tu sais que je sers des divinités dangereuses. Écoute, mais prends ta paix et va chercher tes ancêtres qui fassent tout ce qu'ils veulent. Qu'ils tuent mon fils Eunien, ouais. Il n'y a pas de problème. Qu'ils le fassent. Tu me défies? Pour ton information, laisse-moi te dire. Moi, pas je sers le véritable Dieu. Laisse-le le faire. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous. La pluie va commencer. N'importe quoi. En fait, quoi. Les nuages se rassemblent. Et très bientôt, ça va s'exploser. Ça va s'exploser. Et il n'y aura pas de parapluie pour vous protéger. Amosu Sodegbe. Amosu. C'est moi qui suis en train d'apaiser mon mari. Sinon, il aurait dû jeter un mauvais sort sur Onyeme. Ugodia. 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 Ton mari doit d'abord être sûr. Avant de faire appel à des divinités. Il ne blague pas, oh. Il tue sans pitié. Vous devez être prudent. Tant pis pour celui ou celle qui mourra. Puisque nous sommes en quête de la justice. Peu importe. Pourquoi Onyeme peut haïr Obina avec passion au point de chercher à détruire sa destinée? Hein, pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment ce que tu dis? Oui. Je veux savoir. Ugodia. Ugodia. Nae. Ugodia. Nae, Jidofo. Je vois un danger approcher. Je peux sentir un danger devant ici. Si ton mari doit faire appel à une divinité pour ce problème. Nae, Jidofo. Tu as toujours été contre moi. C'est toujours Okuchi et son fils que tu soutiens. Puisque pour toi, tu crois qu'ils sont censés. Je ne suis pas surprise. Ugodia, tu dois prendre en considération ce qu'elle t'a dit et va conseiller ton mari. Oui, je lui conseillerai de jeter ses sorts. Mais Ugodia, je te soutiens maintenant. Que ton mari fasse appel à une divinité. Si me veuille me, on pense y aller chercher. Si me veuille me, ben puis si me veuille me, si me veuille me, ben. Franco, mon cher. Hier, notre président devait visiter, mais en cours de route, sa Jeep était tombée en panne. Mais les efforts de tous les ingénieurs pour réparer la voiture n'avaient pas abouti. Je te dis. Vraiment? Ouais. Et après, que s'est-il passé? J'étais dans l'entreprise en train de travailler et mon téléphone sonna. C'est un ingénieur qui appelait. Et je m'étais rendu à l'endroit de la scène. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai touché une ou deux choses. Et le moteur a démarré.
Wow. Le directeur général était tellement impressionné. Vraiment? Je te dis. Ça, c'est formidable. Wow. C'est la main de Dieu, mon frère. Je te dis, mon frère. Au même endroit et au même moment, j'ai eu la promotion. J'ai été promu au niveau des cadres supérieurs. Je ne vais plus habiter dans mon ancien appartement. Il a dit que je serais déplacé au quartier des cadres supérieurs. Ça n'a même pas fini là-bas. Attends, ça ce n'est que l'entrée en matière. Il ne m'a pas seulement déplacé à la cité des cadres supérieurs. Il m'a aussi dit que je fais maintenant partie des grands cadres de l'entreprise. Et il m'a aussi dit que je voyagerai à l'extérieur. Il m'a demandé le pays où j'aimerais voyager. Vraiment? Un frangin qui n'aime pas la Pourquoi? Je lui ai dit que j'irai en Afrique. Hey Dieu. Je te dis la vérité. Dieu. Toute ma gratitude au Dieu Tout-Puissant et à toi que je vois ici. Mon cher, laisse-moi te dire. Je le savais depuis le premier jour que tu réussiras. Pour être franc avec toi. Je le savais. Ça, c'est le travail de Dieu Tout-Puissant. Je te dis, Dieu t'a utilisé. Tu es un ange en forme humaine. Je dois être sincère à toi. Onyewe, de ma part, je ne pense pas que je mérite ce remerciement. Parce que je me rappelle du passé. Attends, combien de bols de tégari je n'avais pas fini? Je finissais tout. Tu sais comment je te dérangeais, non? Tu sais que ces jours, je n'étais rien. J'étais sans aucune aide. Tu sais ce que nous faisions à l'époque, non? Certains tutoriels pour apprendre à draguer. Mais des gens ne se souviennent pas du passé comme ça. Peu importe s'ils se rappellent ou pas. Mais de ma part, nous sommes plus que des amis. Nous sommes tout, mon cher. Franco. Mon cher. Franco. Waouh. Je veux te choquer. Je veux te choquer. D'autres nouvelles? Dès mon retour de l'Amérique, ce que tu as ici, je ne sais pas si tu dois l'appeler voiture ou véhicule, mais je vais te donner une Jeep d'une très grande valeur. Tu la mérites. Mon gars. Gars. Tu sais, je compte sur toi. Gars, écoute. Hey. Tu sais, ma joie aujourd'hui est que tu as finalement atterri là où tu devrais être. Gars, j'ai pas atterri sur une pierre. Très fertile. Bossa. Et c'est le moment de dire à tes ennemis qu'ils ont menti. Ah oui, c'est ça. On dit que la vie est faite de bas et de haut. Ton bail est déjà passé, maintenant c'est le tour de ton haut. Allez, quittons d'ici. Franco, je veux te gâter aujourd'hui. Prends un hôtel de ton choix. Un bar de ton choix, un restaurant de ton choix. Je veux te gâter. Mon gars, mais allons à l'intérieur d'abord, non? C'est de l'intérieur que nous sommes venus ici, non? Sortons un peu, non, frérot? Allons nous mourir. On va certainement entrer. Je ne sais même pas quoi dire. Mais peu importe. Allez, bougeons. Je vais te conduire. Allez, c'est moi le conducteur. Wow, Franck. Je vais très bien, oh. Et comment toi tu vas là-bas? C'est une bonne chose, mon fils. Je vais maintenant très bien, hein? C'est Adako qui vient de temps en temps m'aider, puiser de l'eau, faire un peu de travaux ménagers, hein? Et Belle aussi fait de son mieux. Tu connais ta sœur, elle a un bon cœur. Alors, comment vas-tu? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, Seigneur, merci. Ok, moi. Oh! Akwinafo. Hey, chukwekeneo. Hey, ekena diri chuku. Akwinafo, onwam please ko try and come. Ki habi tito manya na ama. Onwam. Oi. Elle va bien avec ses troubles. Tu sais que moi, je ne suis pas tous ces troubles-là. Ah, c'est lui-là. En tout cas, moi, je ne m'occupe pas du tout de lui. Oh.
Je t'aime beaucoup, mon chéri. Tu me connais bien, non? Pas de problème, mon fils. D'accord. Comme ça, je vais parler à Dako pour qu'elle aille prendre pour moi l'argent. Ngano, bye bye. Hey! Moi, j'ai des camouades. Et moi, j'ai des camouades. Imagine-toi, mon propre fils m'a poussé à terre simplement parce que j'ai demandé ma voiture qu'il a emportée. Et regarde-toi, en train de le défendre. Et quoi, mais pourquoi c'est toujours Robina que tu attaques? Pourquoi? Pourquoi ne le ferais-je pas? Tout ça, c'est à cause de ta carapace de voiture qui n'a plus d'amortisseur et qu'on ne peut pas solder à 100 000 naira. Hein? C'est pour ça que tu es en train de crier ça et là. Combien de fois déjà Onyeme a volé ton argent dans cette maison? Réponds-moi. Oh. Onyeme, il fait? Je l'ai dit. Encore coucou, Sili. Je l'ai toujours su. J'ai toujours su que tu es une mauvaise influence sur cette chose que tu appelles ton fils, merci. Obina. Stupide et méchante mère. Eh oh. Pourquoi te tenir en défense pour Obina après l'avoir poussé à terre? Ne l'a-t-il pas fait en ta présence? Soupou! Soupou! Papa. Tu as quoi? Ah ah! Juste regardez-vous. Vous vous comportez comme des petits enfants. Je fais tout ce que je peux pour vous calmer, mais vous refusez. Ah ah! Éteignez ce feu, s'il vous plaît. D'après tout, Obina ne t'avait pas poussé. Tu étais tombé de toi-même quand tu l'as poursuivi. Ferme ta sale gueule là. Au bout de quel effet? Impoli. Disparais d'ici. Dieu te bénisse, oh. Heureusement que tu étais là. Sinon, il allait inventer un autre mensonge contre Obina. On est nous sinanossé. Un homme avec des paroles changeantes. C'est ce que tu es. Il aime plus ça. Quoi? Il est moine. Il est un quinquennat. Continue de mentir. Ogodia, c'est moi que tu insultes? C'est Ligaba. Oh, tu m'insultes. Je te montrerai pourquoi je m'appelle Okome. Tu vas bientôt me sentir. Ça m'est égal. Je vais te montrer une mascarade unijambiste. Crois-moi. Tu n'as plus rien. Une mascarade à une jambe. Honte à toi. Ne t'en fais pas. Une mascarade unijambiste. Tu la verras. Tu ris. On verra bien. Tu as le culot de m'insulter. Maintenant, parle. Avec qui as-tu couché la nuit dernière, avant que je t'étrangle à mort? Mike, je crois t'avoir dit que j'avais reçu de la visite de mon grand frère. Tu mens. C'est pour ça que je ne t'avais pas ouvert la porte. Depuis quand tu as un autre frère? Tu as oublié que tu m'as dit que tu es la seule survivante de tes parents? Mike, mais c'est quoi ton problème? Tu cherches à m'humilier devant tout le monde. On ne peut pas parler de ça dans la maison. Dis-moi, on ne peut pas discuter calmement. C'est quoi ton problème au juste? Jane. Es-tu le seul homme à avoir une copine? Arrête, tu me fais mal, arrête. Jane. Laisse-moi tranquille. Maintenant ou jamais. Lâche-moi. Je suis fatiguée de ta vie de débauche. Ah! Moi aussi, je suis fatiguée. En fait. Laisse-moi. Lâche-moi. Va à l'intérieur. Obina. Obina, remets mon habit. Obina. Maman, lâche ça. Mais, Obina, fais maman, tout vendre dans cette maman, maison. Maman, je te préviens, oh. Tu parles à une autre personne. Tu ferais mieux de laisser ce sac tout de suite. Laisse ce sac paisiblement. Je ne veux pas laisser. Obina, tu te bats avec ma femme. Obina, il a quoi? Quel est ton problème? Quelle pagne? Ta pagne? Veux-tu vendre tout ce que nous avons dans cette maison? Quel est ton problème? Vite, donne-moi ça. Pour ton information, prépare-toi déjà. Pourquoi? Demain, ils seront là pour t'arrêter. Tu mens. Je te l'ai dit au moins. Tu mens. Ils viendront pour ta... Allez, remets. Donne-moi ça. Obina. Girafa! Obina! Viens au secours! Obina, reviens avec mon panne! Obina, remets mon panne! Viens au secours, ton frère! Obina! Girafa, viens m'aider! C'est fini, lève-toi! Girafa, au secours! Lève-toi, Ekouemi! Girafa! C'est fini, arrête de crier! Obina m'a tué! Ça va aller! Désolé! Ça va aller! Désolé! Marche! Appelle-moi Girafa! Calme-toi! Ça va aller! Prends courage! Obina m'a tué! Tes enfants te feront plus que ça. Obina, tu amène-les es maudit. Amène-les à la maison, non? Obina, tes enfants te le rendront. Non, utilise ton cerveau quand tu perds. Arrête de dire n'importe quoi. Obina, c'est fini. Obina. Arrête de crier, Obina, qu'est-ce que je t'ai fait, Obina? C'est fini. Obina,
tes enfants te le rendront au centuple. Non, c'est fini, non? Obina, tu n'auras jamais la paix dans ta vie, Obina. Hein? Quel péché ai-je commis? Qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon? Arrête. Hey. Dieu a finalement répondu à toutes mes prières. Il s'est rappelé et il a finalement décidé de répondre à toutes les prières de la femme rejetée. La femme qui n'avait plus de valeur. C'est ça. La femme qui était négligée. Ha! Il est vraiment fidèle. C'est Dieu est miraculeux. Dieu est juste. C'est ça. Dieu m'a libérée de la captivité. La Bible déclare, lorsque Dieu avait décidé de libérer le captif de Sion. Amen, c'est ça. Je vous dis, c'était vraiment comme dans un rêve. Dieu m'a libéré de la captivité. Hey, il est un Dieu fidèle. C'est à moi que tu dis ça? C'est à moi que tu dis ça? Je vois les choses de moi-même. Il est très puissant, notre Dieu. C'est un papa miséricordieux. Oui! Maman, te rappelles-tu que la Bible dit que Dieu vient toujours au secours des pauvres et des humbles. Oui. Alors, pourquoi ne bénirais pas Onyewe? Tu as raison, ma fille. C'est vraiment ce qu'on appelle sagesse. Hey, moi qui ai souffert ici, manquant de quoi manger, regarde, tourna, regardez le riz qui est là. Eh bien, maman, ça c'est pour toi. Hein? Un colis l'autre là. Hey. C'est ton colis. Jésus. Ma fille, un colis. Okuchi. Viens vite. Viens prendre ton argent. Ça, maman, c'est ton argent que ton frère t'a envoyé. Hey. Nkoli. Okuchiwa Nemo. Ça, c'est pour les condiments que tu vas commencer à manger avec ton riz. Okuchi. Ça, c'est pour toi. Hein? C'est Onyewe qui te l'a envoyé. Hey. Il est devenu gros, je vous dis gros, toutefois. Dis à ton mari de venir me voir la nuit. Okuchi. Okuchi. Allez, quoi, Goudia, s'il te plaît, va appeler mon frère. S'il te plaît, va m'appeler mon frère. Dis-lui de venir maintenant et m'emmener à l'hôpital. Ses reins sont brisés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution ici? D'appeler un médecin pour qu'il te traite, au lieu d'aller appeler encore ton grand frère. Je ne veux pas que tu alertes les gens juste pour ces problèmes. Mes reins sont brisés. Goudia, tu dis pharmacie. Oui, non. Traitons ces problèmes ici au lieu d'appeler ton grand frère et alerter toute la famille. Ça ne sera pas propre. C'est clair que toi et ton fils prodigue voulaient me tuer. Mais avant que vous ne réussissiez, je m'assurerai que je vous tue d'abord et je subirai les conséquences. T'inquiète. Garde tes apaisements. Je sais que tu veux rejoindre tes ancêtres puisque tu es fatigué de cette vie. Puisque tu veux mourir, juste meurs seul. Personne ne veut aller avec toi. Tu n'as qu'à préparer aussi ton enterrement, puisque moi, je n'ai rien. Si tu meurs ici, je ne sais comment t'enterrer. Maman? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il y a une bonne nouvelle. Quelle nouvelle?
Quoi? Maman Okuchi nous a remis un très grand sac de riz et ses 5000 naira pour les assaisonnements. Faux. C'est pas vrai. Je ne crois pas. Papa? Ouais. Eh bien, je meurs. Qu'est-ce que tu as encore? Je meurs. Mais va chez ton oncle, Girofo, et dis-lui de venir m'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ta mère et Obina veulent me tuer. Ils m'ont poussé à terre. J'ai cogné mes reins au sol. Depuis d'accord, là. D'accord, papa. Papa, quoi? Tout de suite. Est-ce depuis que tu m'as demandé? Maman, tu as eu mon avis pour savoir si c'est vrai ou faux. Je n'arrive pas plus à... Tu ne le vois pas, maman? Je n'arrive plus à me lever. Écoute. Écoute, mais tu es un homme très rusé et surnois. Tu n'as pas de conscience. Hein? N'est-ce pas qu'on discutait avec toi ici comment t'amener à l'hôpital pour te traiter? Dès que tu as vu ta fille, tu t'es tourné contre moi pour me faire chanter devant ta fille. Pourquoi tu es si méchant? Dieu te punira pour tes actions malicieuses. Godier, tu verras. Retourne à l'envoyeur. Oh. Ça va retomber sur toi-même. Retourne à l'envoyeur. Ok, y a pas de problème. Tu es en train de payer le prix de ton péché. Ce n'est que le début. Ma colonne vertébrale. Hein? Regarde. Elle nous a envoyé tout cet argent. Attends. Arrête. Okuchi avait dit que tu devais passer pour récupérer le tien. Remets. Veux-tu me dire qu'elle a une enveloppe spéciale pour moi, Jide au fond? Oui, c'est ça. Oh, vraiment? Remets mon argent. Prends. Sincèrement, Onyewa a surpris tout le monde. Je le savais. Ce garçon est vraiment sage. Vraiment. Raisonnable. Vraiment. Et aussi responsable. Peux-tu imaginer qu'il a aussi envoyé des cadeaux pour Ugodia? Est-ce vrai? Je t'ai dit vrai. Ce garçon est un ange. Mon oncle? Ogini? Mon oncle? Qu'est-ce qu'il y a? Papa a dit que tu vas venir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite. Pourquoi si urgent? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire que Obin avait poussé papa par terre et maman refuse de le conduire à l'hôpital. Obina a poussé mon frère. Oui. Obina a poussé mon frère. Abouniego. Je l'avais dit. Mon oncle. Je le savais. Ok, vas-y, j'arrive. J'arrive. Ok, c'est bon. Abouniego. Obina, Mangoya. Oya, papa, go. Kao, Moazia. Hey. Qui est là? C'est qui? Jay Baby. Jay. La voilà sortir. Jenny Mba. Comment vas-tu? Je vais bien, mais je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je ne savais pas que tu allais venir. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que je suis censé envoyer une lettre que tu dois approuver pour que je vienne voir mon bébé? Tu me manquais, c'est pour ça que je suis venu. Hein? Je suis désolée, bébé, mais ne le prends pas mal. Ah, mais ne t'en fais pas, oh. C'est juste que je m'habillais pour me rendre à l'école. Je dois aller assister au cours. Mais ce sont les vêtements que tu mets souvent pour rester à la maison, non? Tu as raison, donc c'est pour ça que je dois entrer dans ma chambre, m'échanger et par après sortir. Oh, t'es changé. Allons nous changer ensemble. Bébé, écoute. Hein? Tu ne peux pas rester seule du fait que moi, je sors d'ici là. Donc, toi aussi, pars. Je ne suis pas sûre que mon colocataire voudra que tu restes. Juste pars. Quel genre de stupide colocataire m'empêcherait d'aller dans la maison pour laquelle je paye le loyer? Ne lui as-tu pas dit que c'est moi qui paye le loyer? Essaie de comprendre, bébé. Comprendre quoi? Ne lui as-tu pas dit que c'est ton copain qui paye pour toi les loyers ici? S'il arrive, tu lui diras que je suis ton copain, non? Bébé, tu ne peux pas entrer, désolé. Dis, arrête de me raconter ces conneries-là. Obina, Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer, comprends-le une fois pour toutes. Qui est-il? Non, laisse-moi entrer. Je vais voir ce stupide colocataire. Attends d'abord. Obina, arrête, tu ne peux pas entrer. Attends, s'il te plaît. Monsieur, toi encore? Maintenant, dis-moi, quel droit as-tu pour toucher ma femme? Qui est ta femme? Elle, Jane, est ma femme. Oui, c'est le début de la folie. C'est comme si tu n'avais pas de cerveau. C'est comme si vous essayiez de me rappeler ce que j'ai oublié de faire, vous deux là, hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire?
Pourquoi tu es en train de bouger ta tête comme si tu avais de l'épilepsie? Es-tu malade? Tu veux me faire peur? Allez, bouge là. Regardez ce garçon. Je vais tuer ce garçon. Quitte ici maintenant, sinon je vais exploser ta tête contre le mur. Allez, bouge. Ah, Jane, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quitte ici maintenant. Oh, juste pars, oui. Jane, je dois partir. Vas-y, oui, pars. Vas-y, Jane, qu'est-ce que tu attends? Casse-toi de là. Papa, lève-toi déjà s'il te plaît et donne-moi l'argent, je dois retourner à l'école. Obina, où est mon pagne? Non, maman, s'il te plaît, tu crois que tu fais quoi là? La prochaine fois, ce que vous ferez tous dans cette maison, c'est de baver. Tu ferais mieux de dire à ton mari qu'il me donne l'argent afin que je retourne à l'école. Obina, c'est clair que tu veux ma mort, mais tu mourras avant moi. Arrête de faire le paralysé, viens me donner l'argent. Arrête, donne-moi l'argent. Il ne se sent pas bien, comme tu vois. Il a besoin de se reposer. Et ses poches ne vont pas bien non plus. Quitte là. Laisse-le. Il est malade. Il ne se sent pas bien. Il est où mon problème? C'est quoi mon affaire? Il ne va pas bien. Est-ce que ses poches sont malades? Suis-je en train de le toucher? Dis-lui de me donner... Jidafo, secours. Obina, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me donner cet argent. Arrête, tu vas me le donner. Arrête, tu vas mon problème. Va d'abord, va à la maison. Obina. Tu ne veux pas me donner l'argent. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Il n'est pas en forme. Des trucs que je vais vendre dans cette maison, hein. Vous allez voir, je commence avec la télé. Papa! Calme, papa. Maman! Et quoi, mais? Ogini? Va prendre de l'eau. Appelez-moi Jidofo. Ça va aller. Obina, tes enfants te le feront plus. Tes enfants te le rendront septuple. Nous cherchons d'abord comment tu vas aller mieux. Guéris-toi d'abord. Tu es malade, évite de parler. Tu as besoin de rester calme. Obina, apaise-toi. Allez, arrête. Ébéré, dépêche-toi. Amène de l'eau. Obina, Dina, tu le paieras. Ses enfants le lui rendront. Okuchi, comment tu il va maintenant? Rien n'est impossible à Dieu. Je sais que Dieu le fera. Obina, mon fils, finira par changer. Mais j'ai fait de mon mieux. Tu n'essayes pas. J'ai fait de mon mieux. C'est Dieu qui change les cœurs. Essaye de voir les petits efforts que je fais. Arrête de me blâmer. Tu es sa mère. Tu es censé les conseiller. Mais je ne suis pas sûre que tu le fais. Tu les soutiens dans tout. Nay, tu n'habites pas ici avec nous. Tu ne sauras le voir. J'ai besoin de ton intervention puisque nous sommes très rapprochés dans cette famille. Donc je dois soutenir le mal? Te soutenir même quand tu fais ce qui n'est pas juste? Non. Maman. Tu n'es qu'aimé. Mon fils, c'est toi? C'est moi, maman. Je ne crois pas que c'est peut-être toi, c'est mon fils. C'est moi, maman. Comment tu vas? Bien, à qui est cette voiture? C'est ma voiture. Hey! C'est ma voiture. Alors, comment? Tu n'es qu'aimé. On y est, oui. Oh, quoi, Mouloubimi, tu es ici. Comment tu vas? Je vais bien, et tu vas? Je vais bien. Maman, tu n'as pas changé, hein? Hey! Mon maman, fils, s'il te plaît. Arrête ça, non? Non. Tu m'avais rien dit? Oh, waouh! Mon fils. Maman. Non. Dis-moi, d'où as-tu tout cet argent? C'est une longue histoire. S'il te plaît, mon fils, explique-moi t'inquiète, d'abord. T'inquiète, je te la raconterai après. Donc, cette voiture t'appartient? C'est la mienne. Tu sais, je t'ai dit que je te rendrais fière. Je le sais, mon fils. Tu me le disais de temps en temps. Ça va. De rien. Ça va, maman. Hey! Je vais saluer. Aboronoko da onao. Merci, madame. Aboronoko da onao. Maman Obina.
Aborono kuda unau. Ils vont tous bien. Okay. Aborono kuda unau. Maman. Mon fils, laisse-moi tranquille. Maman. Permets-moi de me réjouir, mon fils. Maman, tu n'as pas changé. Tu es toujours en forme. Merci au moins. Hmm? Merci. Hey! Ça va, non? Je suis choquée. Je suis remplie de surprises. Ça va. Où sont papa Obina et Béré? Ah, ils vont bien. Je crois qu'ils sont à l'intérieur. Okay. Viens d'abord à l'intérieur. Ok, hein? Ok, allons-y, allons à l'intérieur. Viens d'abord me raconter, mon fils. Et comment tout Dieu a changé du coup? Mm-hmm. Ma chère, mon Seigneur est bon. Chelouko, mon Dieu, je ne crois pas à mes yeux. Non, c'est pas vrai. C'est donc vrai. Je ne suis pas dans un rêve. Oh non, quoi, Namba. Hé. Hey. Hé. Hey. Oh, quoi, Gene, Genezi. Hey. On y est, ouais, mon fils. Je remercie Dieu pour le succès qu'il t'a donné. Et je remercie aussi Dieu pour aujourd'hui. Dieu merci pour mon fils. Dieu merci pour la voiture qu'il a pourvue à mon fils. On y est, ouais. Dieu merci pour ma jolie femme, Okuchi, la femme de ma jeunesse. Oh, que Dieu me pardonne. Onyewen, que Dieu te bénisse. Au fait, il a déjà commencé à te bénir. Amen. Maintenant, je vais prier. Cette voiture ne va pas tuer mon fils. Mon fils vivra. Pour acheter plus de voitures. Okuchi, ma femme, tu vivras pour savourer les fruits de ton labeur, ainsi que toute autre personne ici. Nous n'allons pas travailler en vain. Comme nous travaillons, nous savourerons les fruits de nos labeurs, y compris moi. Oh, Okuchi, ma jolie femme, la femme de ma jeunesse. Dieu merci pour aujourd'hui. Nous allons toujours vivre pour célébrer. La célébration ne va pas quitter cette famille. Au nom de nos ancêtres. Onyeme, que Dieu te bénisse pour le présent que tu m'as donné. Hein? Merci beaucoup. Pardonne-moi. Que je dise quoi, mon attitude de folie, laisse-moi le dire juste comme ça. Tout ça, c'est déjà passé, maman. Il t'a fait des cadeaux. Oh, merci, mon fils. Tu as un bon cœur. Et Dieu continuera à te bénir à cause de ça. On y est, merci. Hein. Maman Obina, essayons d'oublier ça, c'est déjà passé. On y est, wow. Maman. Où est-ce qu'on peut trouver un médecin traditionnel pour traiter papa? Ou devons-nous passer par la médecine moderne? On doit aller chez les médecins modernes. Le traitement traditionnel n'est pas vraiment conseillé. Si nous allons chez les médecins modernes, je crois que ça va aller vite. J'ai aussi mal à la taille. Vous pouvez également trouver quelqu'un qui pourra guérir les douleurs à la taille. Tu comprends, mon fils? Tu l'as entendu, il avait déjà commencé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Donc, devons maintenant changer. Ouais, ça c'est sérieux. Bien, en attendant que le médecin n'arrive, je voudrais saisir cette opportunité pour annoncer à chacun ici que très bientôt, nous irons voir les parents de Dadaku ici pour remplir les conditions de mariage. Hey!
Qu'est-ce que j'entends là, mon Seigneur? Donc c'est maintenant mon tour d'avoir une belle fille qui va me donner des petits-enfants. Hey! Mon fils va bel et bien t'épouser. Et tu vas me donner de beaux petits-fils, plus que vous ici. Maman, donc je suis vilain. Non, mon fils. C'est juste la joie, oh. Maman. En toute déception, je crois fort qu'il y a une bénédiction. Je sais. Et il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Dieu a utilisé ta maladie pour produire un ange qui m'a aidé. Oh! Encore Dieu, Jéhovah, encore Dieu, beau ton. Merci. Non. Dis-moi quelque chose. Ce que je vais écouter là. Vas-y, dis-le-moi très bien. Au moment où je te parle, l'argent ne sera plus notre problème. Hein? Je ne mélange pas les mots. Egadigo. Quand je parle de ego. Egadigo. Vas-y, dis-moi. Dieu m'a ouvert la porte d'argent. Hey! Je peux donner à celui-ci, je peux donner à celui-là, mais je n'en manquerai pas. Tu vois, cette fois-ci, je vais construire un manoir qui va accommoder tout le monde dans cette maison. Eh où? Eh où? Tout le monde. Un manoir superbe qui va accommoder tout le monde. Dieu l'a déjà signé, ça va s'accomplir. Donc tu veux dire que tu vas construire une maison qui va contenir tout le monde? Ouais, maman. Obina y compris. Maman. Maman, on ne va pas l'exclure, non. Il fait partie aussi de la famille. Mm-mm. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec ce garçon Obina. Il n'est pas un bon garçon. Il a des choses un peu plus compliquées, hein. En tout cas, pas lui. Je ne suis pas d'accord avec celui-là. Maman, laissons ça de côté. Regardez que maman, laissons aller tout, hein. Hein? Tout ira bien. Comme ça? Ouais. Non, 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 non. Ça peut contenir tout le monde, mais pas lui. Ça apparemment, va, lui, il est jaloux. Il risque de faire des choses qui risquent de te nuire. Maman. Maman devient très amusante. Ok, oui. Maman n'a pas tort. Tu la soutiens. Juste un peu. Je me sens pas à l'aise avec ce garçon. Il a un peu double vie, là. Je comprends pas. Es-tu sûre? En tout cas, avec lui, je ne me sens pas du tout à l'aise. Mais va préparer pour ton mari. Oui, maman, tout de suite. Tu la soutiens, n'est-ce pas? Vois-tu comment je suis assise ici? Moi, je te dis des choses, ça chauffe un peu là-bas. Ah, tu n'es pas les bonnes choses, maman. Laissez. Papa? Maman? On y est où? Maman, on y est où? Ma chère tante, ainsi que ma sœur, je suis désolé pour toutes les atrocités que j'ai eu à commettre. Je suis également désolé pour toutes les choses que j'ai pu faire à cette famille.
Je ne sais pas, mais ça fait un bon bout de temps que ma conscience... Oh, mon fils. N'a pas arrêté de me torturer. Et je veux juste dire la vérité afin de me libérer de cela. Je suis profondément désolé. La vérité, c'est que... Le vol des oranges dont Onyewe avait été accusé n'était pas du tout vrai. Il est innocent. Hein? Hey! J'étais bien celui qui avait volé les oranges et lui avait remis de garder pour moi. Hey! Obinedio. Oh oh. J'avais aussi comploté avec les faux policiers afin de... d'extorquer de l'argent à papa. Et c'est... Les 200 000 qu'on avait prévus pour ma scolarisation, je l'avais volé. Ah ouais, mais... Et mon fils était tiré à la jambe. Il était tiré à cause de ça. Maman... J'avais volé ta chaînette. Je l'avais revendue à 500 000 Naira. Et le gars me doit d'ailleurs encore 500 000. J'avais également vendu ton meilleur pagne là. Et je l'avais revendu à 500 000 Naira, si je ne me trompe pas. Obina. Et le gars me doit encore 500 000 jusque là. Ah ouais, mais... Mon Dieu, donne-moi la paix. J'étais également celui qui volait toutes les chèvres, tous les poulets. En fait, tout ce qui disparaissait dans cette maison, c'était par ma faute. J'étais celui qui les prenait. Hey! Je vous prie. Je le disais. À chaque fois que je le disais, maman, tu m'es tabassée. Je vis vraiment un enfer. Je suis finie. Je le disais. Ces garçons veulent me tuer avant mon temps. J'ai cru que j'avais un bon fils. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey. Tu vois qu'il était voleur, papa. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je veux bien m'asseoir. Désolée. Ah. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Désolée, papa. Tu es bon, doucement. Oui, doucement. Ça va aller. Arrête, ne touche pas mon père. Laisse-le. Désolée, papa. Je suis désolée. Hein? Donc l'enfant de la mauvaise femme est innocent? L'enfant de la première femme, ses mains sont propres. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Désolée, papa. Mon fils n'y est pour rien. Tout ce qui s'est passé dans cette maison, il est innocent. Ça va aller, papa. Okuchi. Doucement, papa. Doucement. Okuchi. Je suis désolé. Je suis très désolé pour la haine que j'ai nourrie envers toi et Onyewe. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai agi dans l'ignorance et la folie. À cause... de ma compréhension sombre de la vie. Allez, Aya, passe devant. Tu dois me montrer ce gars qui t'a en santé. Allez, passe devant. Où est-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Qui est ici présent? Qui est-ce? Ah, à mon Gucci. Aya, passe devant. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Maman Gucci, dis-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es en train de fouetter ta fille comme ça? Dis-moi. Mazi, waouh. Si tu ne veux pas que je meurtrisse cette fille dans cette parcelle, hein, tu ferais mieux de sortir ton stupide fils ici. Mon fils à moi? Bah, le mien. Ekwueme. 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 Papa. Viens ici. Tu verras ce que je te ferai. S'il te plaît, arrête de faire ça. On va trouver une solution. Arrête, s'il te plaît. Okay. Arrête, okay. Arrête, non.
Et quoi, mais? C'est lui le responsable de cette grossesse? Oui, maman, hey. C'est bel et bien lui. Kiwa! Kiwa! Ok. C'est faux. Je ne suis pas responsable. Et quoi, mais? Papa, ce n'est pas moi. J'ai fait une seule fois. Hein? J'ai fait deux. Papa, une seule fois. Est-ce que je suis le seul qui te fait ça? Écoute, mais ne mens pas au Dieu. Est-ce que je suis le seul? N'oublie pas que c'est toi qui m'avais déviagé. Hey. C'était ma première fois et la dernière. Cette fille peut mentir. Écoute, mais papa, moi, c'est tu viens de dire papa, que je ne suis pas responsable. Hey, Hugo, c'est moi, non. Moi, c'est ce pas moi. Si tu n'étais pas l'ami de mon mari, hein, je me chargerais de cette inutile insensée de ton fils. Tu as vu ce que tu as fait? Oui, non, ce n'est pas moi. Regarde comment tu m'as couvert de honte. Elle est devenue à vous. Prenez-la. Toi, reviens ici. Rentre là-bas. Rentre. Tu voulais le mariage, non? Tu voulais avoir un homme. Il est là. Tu peux rester avec lui. Ce n'est pas toi. Tu continues à dire que ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Écoute, mais ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Sais-tu ce qui va t'arriver? Ça, c'est la fin de toutes tes ambitions. Tu m'entends? Tu ne peux plus rêver partir à Londres. Hein? Parce que tu dois épouser cette fille, que tu le veuilles ou pas. Tu vas l'épouser. Papa, cette fille ici que tu dis que je devrais épouser, elle ne sait même pas la personne qui l'a enceintée. Hein? Elle ne sait pas la personne qui l'a enceintée. Chikwado est disponible. Elijah est disponible. Ah! Qu'est-ce que vous dites? Elle sait de quoi je parle, non? Écoute, mais... Rappelle-toi que tu m'avais promis de m'épouser. De quoi parles-tu même? Tu m'avais promis de toujours m'aimer dans toute ma vie. Où est-ce que toi et moi on a dit ça? Écoute, mais ok, tu as dit que ce n'est pas toi le responsable. Pour couper tout court, ok. Écoute, mais tu as dit que tu n'es pas responsable de cette grossesse. C'est ça, non? Que je fasse. Toi là, commence à rentrer chez toi. Hein? Papa, à moins que tu aies un plan pour l'épouser. De ma part, je ne suis pas prêt. Et je ne veux pas l'épouser. Fais ce que tu veux avec elle. Laisse-moi, je vais te gifler maintenant. Hey! Elle est censée avoir honte, mais... Hey non, je suis foutu. En fait, papa, moi je n'ai plus rien à dire dans cette histoire. Mon fils se moque de moi à ce point. Hey! Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Allez, entre. Vas-y, entre dans la maison. Allez, quitte. Quitte ici, je ne veux pas te voir. Hey! Écoute, mais c'est toi. Ma fille, c'est toi. Donc... Je vais détester Okuchi à cause de cette grossesse. Parce que pour moi, cette grossesse allait être un obstacle à mon avenir. Je l'ai détesté et détesté aussi la grossesse. Je ne l'ai jamais aimé. Mais plutôt, j'ai plutôt épousé... Papa... Papa, ça va aller. Vas-y doucement. J'ai épousé Ougodia. S'il te plaît, pardonne-moi. Donc c'est pour ça que tu m'as fait souffrir toutes ces années. Donc père, la haine que tu avais pour ma mère, est-ce que tu transférais sur moi? Exactement. Ouais. Et je prie que la paix totale retourne à cette famille. Amen. Pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Bakuri, bam, 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 bam. Bam. J'ai maman? Les oreilles du lapin. Qui me regarde? Bah, cri, qui, tété, qui. Oh, qui peut entendre ces sons doux dans mes oreilles? Comment ça retentit? Qui, cri, qui, 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 qui
Oh, 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 oui, oui, elle est heureuse parce que la paix finalement revient dans cette famille. Danse avec moi, non? Vraiment, elle danse parce que la paix revient dans la famille. Fou que tu es. Tu parles de la paix. Fou que tu es. Idiot. Tu reviens à moi, hein? J'étais travaillé dans les charmes pour que tu aimes ses fils. Il n'est pas le tien. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu viens de raconter là? Fils, danse avec moi. Danse avec moi. Maman? On est aimé. Papa? Danse avec moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Danse avec moi. Maman, arrête avec tes conneries là. Danse avec moi. Qu'est-ce que tu viens de raconter là tout de suite? Tu n'es pas qu'est-ce que fils. Tu venais de dire? Tu n'es pas son fils. Hey, tu veux que je dise en quelle langue? Non, non. Laisse-moi. Maman, non. Arrête ça. Maman. Allez, laisse-moi. Maman, je t'en prie. Je vais danser sur vous. Je vais danser sur vous. Maman, je t'en prie. Arrête. Papa. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman.